Yo, quoi que ce soit, bien. Bien tranquille. Bien, Ah, bien. c'est Salchi. Mais non, Béo quoi. Ouais, Les si, gars, Béo, quoi. nouveau, hein, je viens de le Ah, recruter. les autres, ils sont pas là. Je Ils lui ai sont demandé où? tout pour les clés, mais je sais pas, y'a personne là, depuis 19h. Arrête de mentir pour s'énerver. Mais si, je crois Non, qu'ils y'a sont personne, là. y'a personne. Non, là, y'a personne. Hein? Depuis 10... Depuis 19h, j'attends. Voilà. Ma mère, depuis 19h, j'attends là. Si, ils sont là, ils sont là. Moi j'ai envoyé un message à Mélo et elle a pas répondu. Il a dit quoi? Il a dit voilà. J'ai pas fait gaffe. Voilà, il a dit voilà. Eh, t'as juré? De quoi? Non, non, j'ai dit voilà. Hein? J'ai dit voilà. Hein? Mais parle un peu, parce que t'es en mode pfff comme ça là. Attends. C'est un que ceux qui se rappellent en BV était dans mon groupe. Voilà, c'est bon là, non? Ah vas-y, ils sont réveillés, hein, oui. Vas-y, zi cousin, ils sont là, hein. Je sais pas, ils sont où? Je sais pas du tout. Ils me disent tous, ouais, ça va être chaud pour moi ce soir, fatigué, je me couds après minuit. Tu t'es quoi, on a taillé, je re après. Ouais, oui. Attends, je te passe les clés, de toute façon, je Vas-y, suis cousin, con, là, ils mais... ne méritent plus leur mère à faire cramer comme ça, frère, c'est une dinguerie. Oh lolo. Allez, hop, les gars, pouvez-vous, hein? Bref. Ouais, salut les Oh, vous gars. êtes Non, tous cons, salut on les a eu ma frères, c'est une mère. dinguerie, on a eu ma mère, je pète un plomb. Oh, vous avez répondu? Ah, Elle a eu ma mère, fallait pas répondre. Oh lolo. Ah, il était complice lui? Même ça, il était complice? Oui, Bah oui, bah certainement. oui, Oui, il était ah. complice, oui. En fait, j'ai cramé, c'est comment? Quand il y a eu Bah la oui. conve. La conve, j'ai vu la photo, hein, vous avez parlé. Eh ouais, frère. Bon. Bref, ah ouais. Non, vous m'avez eu, les gars. La petite vanne, hein. Faut bien commencer de bonne Mais. humeur. En mode Belle blague. vanne, belle Mais vanne. là, Kenneth, il m'a dit ça va être chaud ce soir. Il m'a dit. Pas de convoi ce soir, la douane est dangereuse, beaucoup de flics et chiens côté Los Santos. Attends, Eh, je j'appelle. crois que c'est le moment d'utiliser la bombe collante, hein. Wallo. Allô? Ouais. Ouais. Comment c'est chaud? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a eu des informations à la frontière, apparemment il y a tout les speedy avec des chiens, des voitures, ils contrôlent tous les camions, tous les trucs qui passent. Putain. Kenneth. Bah tranquille, hein. Kenneth. Ça c'est notre problème à nous. Nous on va faire passer la cam quand même, hein. Y a Je pas le te choix. préviens. Je te préviens là-dessus. Voilà, je préfère. Moi, on s'est dit, écoute, on te le dit que c'est chaud. Ensuite, c'est toi qui veux passer, tu passes, quoi. Putain. Vas-y, vas-y, bah Et attends. apparemment, il y a au moins 10 chiens, il y a au moins 20 flics à la frontière et c'est la galère. Ok, vas-y, vas-y, je vais me renseigner. En fait, ils parlent de vrais chiens. Il y a des vrais chiens. On n'a pas des habitants, ils peuvent aller voir là-bas à la frontière? Appelle Non, Earl, il est dans le secteur normalement. le bon vieux Earl. Le bon vieux. Ce genre par des Dagman. coudres. Wallo, Earl. Bien ou quoi? Ouais. Eh, il y a moyen Je que suis tu dans vas le là. nord là. T'es dans le nord? Ouais, avec Leandro, je sais pas, il m'emmène pour une mission là. Pourquoi? Demande-lui à la frontière s'il Parce veut qu'à quelque chose. la frontière, c'est comment? Il y a là les keufs à Skip? Ouais, on s'est fait contrôler deux fois, les keufs et l'armée. Oh la dinguerie, c'est impossible de faire passer la cam. Bah, quand je reviens, je te dis comment. Tu reviens dans combien de temps? Comment tu vas savoir dans combien de temps? Ouais, je sais pas, là je vais voir c'est quoi qu'on doit faire et je te tiens au Vas-y, courant. vas-y, vas-y, bien, Vas-y. vas-y. Putain. On peut pas faire un mouvement de foule. Là, les gens, ils vont une émeute à la frontière, je sais pas. Y'a quoi comme broche? Y'en a Pour faire beaucoup, des j'ai habitants, On a ils envoient combien avec les keufs. d'oseilles? On a combien? 515, Pile, hein. 520. Quoi? 100 piles, 100 piles. Ah ouais, hier, t'as oublié d'acheter un truc. Ok. Ah ouais, Bah hier, c'est. y a plus de 200K qui sont sortis. Hein. Ouais, mais on n'avait pas presque 1 million? Allez, 800 et quelques. Ouais, Cent on l'a ouais, pas c'est touché le sorti, hein. mini. Bah, On l'a effleuré. Comment s'appelle le. La cam, on l'a revendue? Ouais, il doit rester quoi, 40? 30, un truc comme ça. Y'a En rien en fait, faut bas. qu'on vende des calibres, en Ouais, y a fait, plus parce que là, on rien. a trop Y a plus d'argent. rien. C'est ça, c'est ça. Faut vendre des calibres. Ouais. Mais à qui, cousin? À qui? C'est ça le problème.
pardon, excusez-moi. Il y a Savannah dans la voiture. Mais non. Allô, oui, bonsoir. C'est bien Dems à l'appareil. Ouais. C'est comme ça. Venez. Acheter une voiture, vous êtes disponible aujourd'hui? C'est le bloc okay, je vous rappelle Sony, quand je suis pas loin. C'est, bon. C'est toi le blond en embrouille avec Sony, non? T'as vu quoi? C'est toi le blond en embrouille. Ah, c'est l'Albi, c'est l'Albi. C'est lui. Attends, viens, on va dans un droit. Viens, on va au dernier étage du parking rouge. Non, monsieur l'agent, hein, je klaxonne pas pour vous. Merci. Non, pas de problème. Toujours bien accompagné, vous. Mais non, monsieur Hector. Ouais, monsieur Hector. Et c'est ce qu'il fait, monsieur Hector. Ah ouais. Prends soin de ma Savannah, Hector. Vous avez pas changé. Oh, Savage, ça va ou quoi? Ah, mais c'est Savage. Eh ouais, il a du buzz, wesh. Bonne soirée. Ouais, comment, ils doivent... comment ils doivent baiser dans la patrouille? Ouais, c'est j'ai pas. Il y a du monde, il y a du monde. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? C'est trompé. Ah ouais, tu nous ramènes dans des guet-apens là, Julien. Désolé, chef, désolé. Tirez-vous, deuxième fois. C'est bon, capitaine, on savait pas. Il se passe quoi, capitaine? Ouais, vas-y, viens, on va dans l'autre parking. Après, il se passe quoi là? Je sais pas. Il doit y avoir une dinguerie au-dessus. Hein. Oh, allô? Ouais. Non, je sais pas si t'es au courant à la frontière, mais pour nous, ramener du nord vers le sud, ça va être impossible. Ils sont en brigade canine. Fouille de chaque véhicule avec la brigade canine. Motards qui sont là pour faire la poursuite si jamais t'essayes d'esquiver. Y'a pas un délire d'avion, y'a rien. Avion, ça coûte une blinde hein, si tu veux que je te transporte en avion. Et bref, et lui on peut l'attirer pour avoir Sony, si jamais. Ça va te coûter plus cher que ta marchandise. Hein. Ah ouais, sa grand-mère. Là j'essaie de trouver des avions, je te dis, je sais pas. Hein. Ouais, vas-y. Si t'as les avions, nous on a les pilotes. Hein. Bah je vais essayer de me. Ah si, c'est-à-dire si je trouve des avions, tu peux te démerder à. Ah oui, on a les pilotes. Vas-y, je te rappelle. Moi je suis pilote d'avion. Vas-y. Oui. Con. Ouais. C'est toi, t'avais. Ouais. C'est les Crimson là. Ouais, pile. C'est comment, c'est comment là les. Vous là dans les embrouilles là, vous êtes où? En vrai de vrai, on est quoi des embrouilles avec les BGF? Ça c'est réglé. Il est là votre boss, il est là. Ouais, il est là. Il y a moyen de le voir ou pas? Ouais. Eh, dites-le, on veut le voir là, les mecs de Watts, ils veulent le voir. Vas-y, tu l'appelles. Puis ramenez-le ici. Hein. Ouais. C'est du quoi vous sinon? On est là, on fait de la maille. Ça marche on fait bien, de l'argent. Toi tu devais pas mourir ou je sais pas quoi? Skip hein, mais je connais Sony, il est lent sur le terrain, tu vois comment? C'est genre à l'aise. Mais non sinon j'ai des envois avec Zaki d'ici, mais c'est fini ça aussi. Genre en vrai non c'est bon, peace. Mais c'est parti de quoi l'embrouille avec lui? Zaki d'ici ou Sony? Zaki... enfin avec Sony. Avec Sony, c'est-à-dire il y avait Zach et DC, je crois qu'il les shoot et il y avait Sony en même temps. Moi je le connaissais pas Sony, c'est la première fois que je le voyais. Du coup je les shoot aussi. Je suis là, Marez. Du coup il m'a demandé quoi? Il m'a demandé 5 boîtes de mine. Ou il me canait. Et du coup il me cherchait et Big D il a arrangé les choses. Hein. Du coup il s'est rempassé. Et le Zach, toi tu peux le péter ou pas hein, tu penses? Bon, après il n'y a plus rien avec, hein, je peux pas te mentir. Hein. Mais qu'on a de l'argent, on a de l'argent, paye-toi, toi, je parle pas au Crimson là, je parle à toi. Je sais pas, en vrai de rien, je vais pas te mentir. Et comment tu peux savoir? Je te paye. Eh oh, c'est moi. Moi je fais semblant. Y'a quoi? T'as-tu quoi? Attends, viens. Y'a quoi? Mais non, y'a un passif entre vous les gars. Y'a quoi? Un passif? Peut-être tu fais semblant devant son pote qui va pas le choper. Tu crois, Jamie? La réputation, c'est bien quoi? Hein? J'ai pas mis bien. Dis-le pas, pourquoi veux-le pas alors? T'es con quoi? Mais c'est toi, tu viens de dire ça? Elle a dit. Mais je lui ai rien dit, je lui ai demandé comme ça, moi, je savais même pas, j'avais oublié ça. Ouais, c'est pas ce qu'il faut. Je prie, le poucave alors. Ouais, le tonton, il a dit plus tard parce que là, il est occupé. Dis-lui, on est là, vas-y, il fait ça tout de suite, cousin. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais bon. Connais. Il fait quoi le tonton? C'est tonton hein. Ah tu connais dans les affaires lui, il est un peu discret, il nous dit pas trop grand chose hein. Nous on est des petits, tu connais. Faut un peu la merde nous. Ouais.
Mais dis-lui, c'est assez urgent, on sera plus disponible. Vas-y. Essaye de voir, essaye d'arranger. Dis-lui, c'est dans 5 minutes, vas-y, on peut attendre 5 minutes. Vas-y, vas-y. La tête de chez eux, ils s'appellent pas Ghost. Eh, t'as vu, eux, les Crimson. Pour moi, eux, je les vois comment? C'est des mecs qui sont... en gros, ils sont... Ils savent pas où se mouiller, ils sont entre les deux camps. Et ils... C'est passif. Ouais, il faut les impliquer, faut les impliquer. Et ça se trouve, voire même, ça doit être des taupes. C'est vrai, on connaît rien de ce qu'il a dit hier. Ouais, ouais, en tout cas, Cooper il nous a dit, je crois, il avait dit un délire de ils vont les virer ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, on a parlé de ça. Ah non, c'est Todd non, qui a dit ça. C'était plus du tout, mais ça avait parlé. Et moi, je vais essayer de gratter des hélicos ou un truc comme ça à Cooper qui les prête à Todd pour que Todd il nous ramène la cam. Ok. Je me rappelle. Ok. Le volume il est bas, je crois pas les gars. Est-ce pas eux un jour ils se sont fait pétarder par le BCSO avec l'équipe Assam? BGF, à chaque fois je confonds. Non, je crois que c'est BGF, je crois. C'était BGF ? Ouais, BGF. Bah, c'est justement pas, il a dit 10-15 minutes. Hein. C'est-à-dire au cas où, si vous avez un truc ouais, à faire, on va bouger d'ici là, mais vas-y. Je peux prendre un numéro pour vous relancer ou c'est comment ? Vas-y, donnez-lui, donnez-lui. Vas-y, 42-155. T'as oublié la frontière, hein. Il y a les R, s'ils sont super chauds. Vas-y, vas-y, bien vu. Vas-y. Mais le SO. Eh, viens, viens. C'est comment, il a dit quoi ? 255. Oh, ouais, dis pas devant mes gars, tu m'envoies une pause qu'un non, mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire avec lui. Ah, bah. Eh, parle avec le. Tiens le Renan, tiens le Renan que je parle avec le blond. Tiens, tenez-le. Eh, viens voir le blond. Allez parler. Enfin, vas-y, Nick, ça, merci, c'est bon. Eh, regarde, c'est simple. Et pour combien tu nous ramènes Zach? Mais moi Zach j'ai peur avec hein. Et alors je te paye. Mais t'avais un. Les couilles, je te paye. L'argent. Regarde comme j'ai dit à CV, genre de vrai. Vous savez si je fais ça, BG va manquer. BG en a marre de moi. Tu vois comment? Non, c'est une question sale. Eh nous, regarde, c'est Big G. Si t'as vu tu prouves tu ramènes Zach et Big G crame, il veut te virer ou quoi, nous on te prend. Tu suis ça est banal, on s'en bat les couilles. J'ai une question de ça en vrai de vrai. Maintenant c'est ce qu'il a. Hein. Je connais que ça avec ce qu'il a en face de moi. C'est creepy, c'est wow, la tête. Guapo. Ah là c'est Guapo là. Ah ok ok. Ouais Guapo que je connais du Barmasok. En vrai tu quoi tu le baises Zach? En fait tu vas me le ramener, je vais le tuer, il va mourir. Le canné. Ah ouais. Lui-même je vois pas pourquoi il prendrait mal, t'as vu tu vas prendre ton billet. Pourquoi il prendrait mal l'ancien? Non en vrai de vrai, en vrai de vrai l'ancien, c'est... L'ancien il se place comme en nord-sud lui. Je sais pas, l'aide de ma mère. Mais il est un peu neutre. Ouais, il est 50-50, je vois comment. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, moi, ça fait comment? Bah, les couilles, c'est juste. Là, ce que j'ai fait avec Sony et tout, ça lui a pas plu. Il m'a fait la morale pendant 50 minutes. Mm. Et lui, il est grave investi, ça. Tout ça, tout. Bon. Donc, c'est-à-dire. S'il a, il apprend ça. À me baiser. Regarde, ma mère, hein. Moi, c'est simple. T'as vu. T'as les critères pour t'as vu traîner avec nous. Hein? Ça veut dire que moi, tu me ramènes Zach, t'as une place à Norwatz, normal. Mais moi je suis bien Vespucci. Ouais mais c'est si tu, parce que tu me parles de Big D, je sais pas quoi. Sinon tu me ramènes Zach, je te paye, et voilà quoi. Prends ton état égout si ça se passe, si je suis amené à le faire, il apprend les mêmes rimes, c'est cher chouement. Ah bah c'est à toi, hein. Nous on va pas parler, donc c'est à toi de pas te louper. Dans tous les cas, nous il va jamais le savoir. Ou si je dois ramener les deux, Zach et DC. DC il est mort, il est mort. Elle est mort DC, il reste que Zach. Il reste que Zach. En vrai de. Ou si sinon... J'aurais préféré Sony moi. Pourquoi? Parce qu'il a. Il a fait l'insolence bah, si veux... de putain avec moi. Et bah ou sinon bah tu. Si t'as la possibilité de nous envoyer une pause un jour, il y a un rendez-vous, il y a un truc qui sont hal, et si nous on vient, bah, on te paye aussi hein. Ça c'est encore moins cramé. Là, si je le traque ce soir, là, je t'appelle, je l'appelle CV. Ouais. Vas-y, c'est bon.
Tu parles de Zach, hein, tu parles. Ah non, je te parlais de Sony, là. Ouais, mais si tu les vois, ouais, mais un truc intéressant. Pas juste s'ils se baladent. Nous, on peut le faire, ça. Ok, donc rendez-vous, transaction, peu importe. Ouais, voilà, peu importe, je te passe ton billet et nous, on les baise. Ok, du coup, pour le Zach aussi. Et le Zach, c'est si je... Ouais, ouais, pareil. Vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est carré. Et niveau cam et tout, vous êtes bien ou c'est la pénurie? En vrai, ça va voir, hein. J'ai appris qu'on refouillait des... Comment ça s'appelle? Les graines. Le Big Deal était dessus, tout ça. Et non, ça va niveau cam, en vrai, on est bien. En vrai, classique, hein, que la même verre. Même arme, vous êtes bien. Arme, on est bien. Arme, on est bien. Vas-y, vas-y. Après, si t'as des trucs à proposer, on prend, je vais pas te mentir. Ouais, nous, on a des calibres, hein, à foison. Ah, vous avez? Ouais. Glock. Guerrida? Glock. Guerrida, Glock. Vas-y, je vais chercher ça à Big G, on va vous prendre. De toute façon, on se voit là avec lui, là, dans 10 minutes. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Vas-y, je vais pas faire. Non, mais tranquille, vas-y, tu sais quoi, dès qu'il est dispo, tu vas l'entendre parler. Non, dans 10 minutes, on se voit. Attends, vas-y, c'est bon. Je serai dans ton set. Comment ça s'appelle? Oui. Je vais appeler Cooper, je vais essayer de gratter qu'il prête des hélicos ou un truc au mec du Nord pour qu'il nous ramène ça. Et là, on fait quoi, c'est là, dans le bateau, sud? Non. Bateau, c'est chaud. Ouais. Bateau, les gars, c'est dur, ah ouais. Hein, maintenant. Ouais, oui. Ah, c'est dur pour les mecs. C'est les durs quand tu montes dans le Nord. Mais en vrai, les mecs du SPD sont pas branchés bateau, non? Si. Je crois que tu te fais même allumer à vue, maintenant. Moi, je pense que c'est les mecs du Nord qui allument. Après, je sais pas, comme tu veux. Mais... Comment ça s'appelle Là, faut qu'on se branche, faut barauder, faut essayer de trucs, trouver, je sais pas, des rendez-vous, des transacts, des machins. Transacts, là, ouais, c'est des sûr, transacts. Et on c'est d'accord, sûr, on va sonner, on pète. Alors, si on va sonner, on pète. Non, essaye de péter sur des transacts. Okay. Là, en mode, on est en mode baraudeur, là, ce soir, on est en mode pirate. Faut trouver, faut qu'on se balade et on tombe sur des trucs croustillants. Et c'est sûr, on va tomber, hein, c'est sûr. Les transacts, c'est dans le Nord, hein, du coup. Non, sud. Le Nord, oubliez les gars, c'est blindé, la herse, tout. On peut pas passer la frontière, c'est mort. Vas-y. C'est carré. Donc voilà. Vas-y, c'est tout ce carré. Allô? Allô? Oui. Eh, je viens de... En fait, j'ai une taupe chez les Crimson. Et en gros, il m'a dit qu'ils sont, limite sud, quoi. T'as un rendez-vous avec... Comment? T'as un rendez-vous avec eux. Ah bah, là, il doit venir me voir, là. D'accord. Et en gros, ils bossent pour les Black Disciples, c'est une balance. Ça, par contre, il me l'a pas dit, mais je l'ai genre entendu dire. Et, ça peut pas être quelqu'un qui veut leur porter préjudice, vous êtes sûr? Non, moi je suis sûr, parce que, en fait, dans le... C'est en fait, par exemple, même Reyes hier, par exemple, je lui ai parlé, je lui ai proposé le délire. Ah, il était réticent, il était pas chaud, il m'a dit laisse-moi réfléchir. Alors que normalement, tu proposes l'exclusivité sur la mette à quelqu'un, il dit oui directement. Donc pour moi, les Wuzang, tout ça, tout le délire, ils ont dû proposer gros. Et surtout qu'il n'y a aucune guerre dans le sud, ils sont pas en guerre, il n'y a rien, on n'entend rien, donc... Ils se tapent pas sur la gueule entre eux là. Ouais. Pour moi, les Crimson en plus, ils ont fait des trucs, ils ont braqué des gars dans le nord. Les gars à Elwood, je crois. Oui, mais ça c'est normal. Ok. Et c'est, sinon c'est, là, c'est eux qui les avaient menacés et qui avaient dit, Elwood leur avait dit qu'ils auront des affaires à nous. Donc moi j'avais dit bah, qu'ils étaient merdes à tout là. Ok, parce que même pour vous dire, même Ghost Dog, moi j'ai un doute qu'il bosse avec Sony. Hein. Un énorme doute, vraiment énorme. Alors Ghost Dog, franchement. J'espère sincèrement pas parce que pour moi c'est l'avenir. Hein. Bah je vous jure vraiment, moi je suis certain limite. Par contre, en gros c'est pas... Il veut être avec nous mais il lui met trop la pression parce que lui il s'est mangé Wuzang tout le monde. Il se mange tout le monde. Et moi je me mange rien moi. Moi je suis bien. Mais c'est en gros... Pourquoi vous mangez rien vous? Ouais, parce qu'ils savent, hein, monsieur Cooper. Que le danger... Je rime avec danger moi. Mais... Avec danger l'Ardenne, d'accord. Oui. Mais moi, je vais me mettre sur eux. Mais juste là, je voulais vous dire, je vous appelais pour ça. Crimson, je vois pas leur intérêt de nous niquer. Ils ont tout à perdre. Ouais, je sais pas. Ils ont tout à perdre. Ils sont bizarres, hein, les gens du Sud. Moi, je pense qu'ils jouent un peu sur les deux tableaux, oui. Mais oui, dans ça, c'est sûr. Ils auront plus peur de nous que des Wuzang, hein. Ah, j'espère pour eux. Mais... Essayez de sonder, mais comme vous l'avez dit, ouais, là, hier, je vais les voir. Je vais essayer de les mouiller. Il faut essayer de voir qui est vraiment avec nous, l'Ardenne, parce que qu'on ait des gens contre nous, c'est normal, et heureusement qu'il en faut. Mais cependant, ils le font pour des raisons un peu saugrenues pour le moment. Ouais. Surtout pour que le service secret là du Sud, c'est sûr, ils sont partis voir tout le monde, hein. Ils ont dû proposer des trucs de fou.
Moi, je suis certain. Le secret vient d'intervenir. On avait Salva, Eden et Allison. Et les mecs qui s'en sont occupés se sont tous fait défoncer par l'USSS et les Marshall et la SPD. Ah ouais, putain. Oui, ils sont surprotégés. Ok, comment dire, bah moi je vous appelais sinon pour, je voulais voir avec vous, est-ce que c'est possible que vous dépanniez des trucs qui enfin des moyens de transport aériens pour Todd, pour qu'il puisse ramener de la com, là, exceptionnellement pour ce soir. Tout ce qui se passe en aérien pendant 48 heures au-dessus de nous tous est défoncé, on peut pas survoler. Putain, c'est-à-dire je fais comment là, comment je peux passer de la com? Ils ont une voie maritime, ils sont sur le maritime, ils sont sur l'aérien et ils ont leur chien à la frontière là. Oh lolo. C'est-à-dire je dois me faire enculer, c'est ça ? Larden, je pense que là il faut faire les choses autrement. Hein. Je sais que ça va pas vous faire plaisir ce que je vais dire. Oui. Je pense qu'il faut complètement assécher le sud. Complètement. Quoi ? Là, il tape les marchandises que vous sortez. D'accord ? Bon, il y en a qui arrivent à les sortir, vous arrivez à les sortir vous, ok, très bien. Mais pourquoi ils le font? C'est pas vis-à-vis du Nord au final, c'est juste qu'ils ont les boules parce qu'ils ont plus rien. Ouais, ils ont plus rien, oui, oui. Ouais. Et si on les assèche complètement? C'est vraiment plus rien, plus aucune gamme qui sort. Mais moi je revends pas à eux de toute façon. Hein. Voilà, la cape, elle est pas revendue à eux. C'est pour ça que ça leur fure encore plus les boules. Bah il faut vraiment que personne leur vende la cape, mais vous doutez bien que quand ils sont dans le Nord, les mecs avec qui on bosse, on les chérit, comme vous. Mais une fois qu'ils sont dans le sud, ils se prennent les Wuzhang, Sony, King sur la gueule en même temps. Ils ont pas bien le choix de faire quoi que ce soit. Bon, en tout cas, moi, ils touchent pas un gramme pour l'instant. Hein. Mais ouais, vous avez pas tort, hein, mais... c'est que, ouais, je vois ce que vous voulez dire. En gros, par exemple, un Ghost Dog, il ramène 500 de mètres et il en perd 200 ou 300. Ouais. Ah non, il perd tout. Là, il tape tout, hein, la totalité des cargaisons. Hein. Ah ouais. C'est sûr, on va péter des gens dans un de ce qu'ils voient, c'est quand ils chopent un convoi, ils prennent tout. Hein. Et ouais. C'est pas ça le pire. Hein. Pourquoi ça vire en politique? C'est qu'ils tapent aussi tous les civils. Les cargaisons de métal, tout. Ils prennent tout. Putain. Mais moi, je voulais faire un petit truc, moi. Pour ça, j'ai lu. Putain, dommage. Je vais voir, mais là vous me conseillez de faire quoi là dans le sud? Putain, moi je déteste faire des... Moi je fais que tout pour... Faut que je rentabilise moi à chaque fois que je fais quelque chose. Ah là ça me plaît pas là. Là ils sont en train de mettre à mettre le business. On a deux possibilités, soit on trouve un accord avec eux. Est-ce qu'on en veut un vis-à-vis de tout ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on va courber les chines? Je pense pas. Soit c'est un peu à nos alliés comme vous et nous de leur faire comprendre que faut bosser un peu plus avec nous et empêcher que ces mecs pètent les convois. Parce que le plus grave, l'Arden, qu'on note pas dans tout ça, hein, le plus grave depuis le début, c'est qu'ils sont avec le Despidi. Les mecs qui tapent les camions, vous savez où ils se mettent? Ouais, juste derrière, dans la montagne en face de la frontière et derrière l'hélipad, à côté du Lespidi. Vous croyez vraiment que le Lespidi est pas au courant? Oui, il laisse faire, ouais. Bien sûr. Mais en fait, faut juste, je pense de votre côté, en gros, faut que vous bannissez du Nord même ceux qui, en fait, même les types neutres. Par exemple, un Reyes, même les tous ceux qui se mouillent pas sont interdits. S'il y en a, ils profitent de la situation, ils restent entre les deux. Ah, c'est mieux. Et nous, ça nous arrange pas. On va mettre en place un visa. Ouais, voilà, un délire comme ça. On va remettre en place le visa et s'ils n'ont pas de visa, et ben tant pis pour eux. Je pense que oui, je m'en parle au gouverneur, on va faire ça. Mais ça résout pas la situation du sud. Non, le sud, et faut là, que ça parte en guerre, là, il n'y a pas le choix, je pense. Hein. Enfin, entre nous, là, faut que ça parte en couille, qu'il soit occupé. Avec des blagues cibles, là. Hein. Voilà. C'est dans le collimateur. Hein. Ouais, je vais voir ce que je peux faire, mais. Ouais. Bah, je vous rappelle. Sony, votre frère, malgré que ce soit un menteur et un gros con, hein, pas se mentir, je pense qu'on trouvera un terrain d'entente pour qu'il se calme. Non, mais de toute façon, mais là, il nous pose pas de problème, là, c'est juste le LSPJ, hein. Moi, je les encule tous, hein, moi, c'est juste le LSPJ, là, qui me pose problème. Là, faut pas craquer, hein, monsieur Cooper, là, à Cooper, vous déconnez, là.
Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous désistez? Jamais de la vie. En quoi je me désiste? Mais jamais de... Mais lui, King, Sony et Wuzang, ils toucheront rien du tout, y a pas d'accord, moi je les encule, moi. Ça a rien à voir, non, c'est le LSPJ là qui nous bloque, sinon les autres, ils peuvent faire grève, vous avez pas vu mon poste sur la Life Invader? Ils font les douaniers et nous, on fait rentrer les lovés. Petite rime. Hashtag gilet jaune à la frontière, plein d'hashtags. Oui, 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 ben voilà, qui bloque, moi, rien à foutre, hein, qu'ils fassent les douaniers. Moi, j'ai bientôt le million pour de dollars. Moi, il faut taper les mecs qui tapent, en fait. Moi, c'est ce que je comptais faire. J'allais faire passer de la cam ce soir et j'allais faire un truc pour les baiser. Mais là, je peux pas à cause du LSPJ. Bah, je peux la faire libérer, la frontière, en soit. Ah, vous pouvez? Voilà, je peux la faire libérer. Bah oui, j'envoie 40 camions là. Ils n'auront pas de quoi contrôler 40 camions. Je vois un bordel de monstre. Gros, je fais des explosions sur le Santos et les convois ils passent. Hein. Ouais, mais là c'est trop. Là. Ouais, c'est quand même. Ça va. Je pense que ça va juste. Ils vont encore plus bloquer, hein, encore plus contrôler. Ah, c'est pas dit. Hein. On peut faire un bordel tellement monstre dans la ville qu'ils n'auront pas de quoi contrôler leurs frontières. Hein. Bah faites, hein. On peut tester. Ah, mais là, moi je pense que ce soir il faut les laisser faire leur truc, à se faire chier, à rien choper. Ouais. Si demain c'est pareil, on fait. Ok. Bah on se tient au courant, Il est au bord. Il s'est arraché ça. On est alors. C'est bon là. Vas-y, vous avez envoyé la pause. Ouais, ça fait un moment. Et là c'est celui qui. Eh, c'est chaud, hein. Eh, descendez des voitures pour pas aller pour l'essence, les gars. Non mais quand tu bouges pas l'essence faut être un moteur. Non même ça fait du bruit, je sais pas quoi. Eh, j'ai parlé avec Cooper, il m'a dit aérien, maritime, tout, il baisse tout. Ouais, on a vu des bateaux. Attends, de l'Speed. Attends, j'appelle Ghost Dog, il va se faire baiser sa mère lui. C'est dire là faut qu'on voit comment. Sortez vos pétards, sortez. Oh, allô. Attends, je te rappelle. Ouais. Non, urgent. Allô. Eh, hey, maritime, toi, aérien, ouais. tout, il bloque tout, il baisse tout, les LSPJ. Tu vas te faire baiser si tu le fais, hein. T'as entendu? Plus jamais tu mets un coup de pression, King, toi. Mais non, Ghost, ils sont breaking. Ah, l'embrouille de fou. Et mettez-vous un peu tous un peu au loin, pas tous qu'un peu... Pas en ligne. Uzi tout. Oh. Ah c'est bon, tonton il est là. Hein. Ouais le clon. Je crois qu'il a l'Uzi lui. Ouais, tranquille ou quoi l'ancien? Il est où tonton? Je sais pas où il est. Ouais je me disais, l'ancien il s'habille jamais comme ça là. Ouais, il est fort quoi les gars. So new school. Il va arriver les gars. Il va arriver. Vas-y. Maintenant pour sortir de la voiture et tout, tu vois. Ah, vous êtes en place, Uzi et tout, non. Putain, j'avoue, ils sont bien. Ma merde. C'est normal. Wallo. Calme-toi, ils racontent. Eh, aérien, maritime, terrestre, ils sont sur tous les terrains, le LSPJ, tous. Et carrément, c'est mes gars, ils ont vu un bateau de LSPJ. Dans les airs, même dans les airs. Ma mère, moi j'allais faire par les airs, là, j'ai demandé à quoi. Il m'a dit, c'est mort, ils abattent tout ce qu'ils volent. C'est KO. Eh là, ce soir, faut que ça pète, là. Faut que ça pète dans le sud, faut qu'on leur baise leur grand-mère, là. C'est-à-dire là, faut sauter tout le monde. Là, il faut baiser tout le mais monde. Mais là, oui, il m'arrive quoi là? Attends, c'est comment King là? T'es en embrouille avec lui? Mais là, je viens de le voir là, carrément là. Où ça? Près d'El Bourreau. Il t'a dit quoi? Ah, il avait chopé un bouc à moi là, qui était en train de se promener. Et dire là, je l'ai récupéré, c'est tout. Fin. Puis il a dit, vas-y, c'est mieux si chacun on prend notre distance, t'as capté. Non, faire des guerres, ça sert à rien. Hey, essaie juste savoir ton côté, regarde. Essaie de savoir, ils bossent avec qui. À part les Wuzang et tout, ils bossent avec qui. Et tout cela. Là, faut qu'on se renseigne sur eux, ils bossent avec qui et tout ça. Et on commence à tout baiser. Là, je te rappelle, je suis en rendez-vous. Ouais. C'est parce que je crois qu'il a de la cam maintenant. Ouais, c'est pour ça, faut savoir d'où. Il m'a parlé, il a de la cam. Faut savoir d'où. Vas-y, je te tiens au courant. Vas-y. Ouais, l'ancien, tu vas bien? Ouais, ça va, les gars ils ont l'air sur les nerfs, je les vois, ils sont tous... Non, méfiant, hein. Tu connais, le sud est rempli d'hypocrites et de... Enfin, les gens ont perdu la mentale, quoi. Ils pensent plus à l'oseille, hein. J'ai l'impression que là, ça... C'est pas mon bientôt, cas, ça va faire des drops de maillots nord-sud.
Ouais, t'es le nord, t'es le sud. Alors que à la base, on est là pour la maille, non, l'ancien? On est d'accord. Mais la maille, elle est où, l'ancien? Elle est dans le nord, hein, c'est pour ça. Et vu que nous, on est dans le nord, ben... Bah, fais confiance à personne dans le sud, hein, tu connais. Et... Ouais, j'ai oublié que j'étais dans le nord avec toi la dernière fois. Ouais, mais y a des ondis, y a des ondis, l'ancien. Y a des ondis, hein. Incroyable. Allez, vas-y. Parce que tu sais quoi? T'es pas le premier à me dire ça. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des fanboys dans cette ville, parce que les ondis, y en a beaucoup d'ondis sur le... En fait, c'est pas qu'il y a de ondis. Enfin, y en a. Mais c'est vraiment des vrais ondis, hein. C'est à ce qui paraît, un des suppositions. Mais là, juste à vue d'œil, pourquoi t'es pas dans les embrouilles? Pourquoi je te... Bah, parce que comme tu l'as dit, y en a qui se contentent sur les embrouilles, moi je me concentre sur la maille. Ouais, mais là, on sait très bien que dans le sud, là, y a une alliance de mecs par terre éteints qui essayent de baiser tous les mecs du nord qui taffent avec le nord. Pourquoi toi, ouais, tu te fais pas baiser? Ah, parce que je sais parler comme il faut. Moi, tu sais pourquoi je me fais pas baiser? Pourquoi? Parce que si j'ai bien compris toute cette histoire, parce que tu vois, moi, j'entends les choses que de la bouche des gens, mais j'ai jamais pu avoir les infos de moi-même. Donc si j'ai bien compris, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, avec toutes les infos qu'on commence à me donner, les Wuzang avaient le business de mettre. Ouais. Ce business-là, ils l'ont délégué à Sony et à King. Ouais. D'accord. Ça, c'est les infos que j'ai. Quelques temps après, j'entends que les Wuzang ne sont plus sur la Met parce que ça ne les intéresse plus. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Et que du coup, Je peux parler plus fort. Ne pourra plus circuler. Ouais. Et que du coup, la Met ne pourra plus circuler. Et apparemment, c'est à cause d'un truc qui s'est passé dans le nord. Et voilà, moi, mais voilà où mes infos s'arrêtent. En gros, c'est simple, ils avaient délégué à King et à Sony. Sauf qu'ils ont, perdu leur labo. Et voilà quoi. Eux, ils font croire de partout que ouais, ils se sont retirés, mais non. C'est juste leur plan, il a floppé, hein. C'est tout. Ok. Donc du coup, je sais pourquoi je suis pas dans les embrouilles. Parce que moi, mon business, il est exclusivement basé sur la weed. On est d'accord. Sauf que toi, je sais que toi aussi, t'avais des filons sur la Met. Donc, Creepy Met, Sony Met, King Met, Nord Met, Sud Met. Mais à aucun moment, cette toi, t'achètes aucune cam au Nord. Non. T'en as oublié un sur la Met. Je sais pas, y a qui. Ah oui, y a aussi le gros... Il y a aussi le grossiste qui peut me fournir 200 mètres tous les jours. Voilà. Du coup, toi, t'es pas dans la dure, t'achètes rien. Bah non. Pour la simple et bonne raison, comme je l'ai expliqué à beaucoup de monde, je me suis concentré sur la weed et mon coût de production est tellement bas qu'aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt financier actuellement à acheter de la meth. Si un jour un intérêt financier se présente à moi, je vais pas manquer de sauter sur l'opportunité, mais c'est tout, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Ouais, mais vous pensez tous, ouais, financier, ça coûte rien de faire de la weed, mais ça coûte du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Hein, donc peut-être, ouais, tu fais plus de bénéf avec la weed, mais tu perds beaucoup plus de temps. Nous, on va acheter la merde, on va dépenser de l'argent, mais on va jamais se vendre dans les rues. Et on va faire chacun... ça en vite fait. Après, ouais, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut maintenant. Chacun a sa fonction. Moi, j'aime parler. Certains aiment être sur le terrain et d'autres aiment être sur la logistique. Et jusqu'ici, ils adorent planter de la weed. Donc le temps, c'est pas un problème pour moi. Ouais. Voilà pourquoi je suis pas dans les embrouilles. Mais tu vois, pour être transparent avec toi, histoire que tu sois un peu moins parano, parce que t'as raison d'être parano dans ce monde de pute, ils sont... venu effectivement tout comme toi, parce que je pense que du coup, si je suis là en face de toi, c'est pour qu'à un moment donné, j'ai bien compris qu'il y avait un camp dans le nord et un camp dans le sud. Ouais. Voilà. Je leur ai expliqué la même chose que toi. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une pression qui a essayé d'être mise pour me faire comprendre que j'étais du sud et qu'il fallait que je me rallie au sud.
Mais moi, la question que je leur pose, c'est comme tout businessman, qu'est-ce que j'y gagne et qu'est-ce que eux, ils perdent, sachant que leur business, j'y touche pas. En quoi, moi, je suis la variable dans leur équation qui fait que ça les emmerde? Il n'y en a aucune. Ils t'ont proposé quoi, exactement? Rien du tout. Ah oui, c'est là la différence. Hein. Moi, on m'en bat les couilles, hein, que tu rejoins notre camp. Nous, on marche seul depuis le début, on n'a besoin de rien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire de l'argent. Et c'est ce qu'on fait aussi. Et si on les gens du sud, tu vois, ils sont tous dans le délire, ouais, on bosse pas avec les mecs du nord, ben nous, ça nous touche à nos... Ben, on fait plus d'argent. Donc on a tout à gagner à ce que les mecs, ils soient... Toi, on veut pas que tu sois côté nord, on veut juste que tu sois côté argent, tu vois. C'est-à-dire là, moi, je suis venu te voir, c'est juste pour te proposer de faire de l'argent. C'est tout. Là, le... Toi, tu t'entends comment avec Sony, toi? J'ai pas d'histoire. C'est pas mon meilleur ami, mais c'est pas mon meilleur ennemi. C'est-à-dire que si je te dis, ouais, si je te fais une proposition, pour une belle somme, de me ramener deux mecs à lui, tu le fais ou pas? C'est quoi ta belle somme? 100K. Ah ouais, il faut tirer. Non, les gars, nous, depuis qu'ils font les douaniers, nous, on ramasse, les gars. Hein. Tu vois ce genre d'usi? Et il est beau, il est tout mignon. Hein. Attends, je crois que tu le vois pas bien. Attends, je te rapproche. Non, t'inquiète, je peux rester derrière. Il est beau, hein? Non? Oh, l'ancien. Ouais, je regarde, laisse-moi admirer. Ouais, c'est pas un nerf, c'est sûr. Ouais, non, ça... Nous, le business se passe plus que bien, c'est-à-dire on peut se permettre de... Tu vois ce que je veux dire, d'investir, c'est un investissement. Moi, là, je te propose 100K, tu me ramènes Zach et un deuxième mec à soigner. Mais comme tu le dis, tu vois, dans le sud, j'ai l'impression que les gens aiment bien faire copain-copain. Ça veut dire que derrière, pour 100K, je vais pas te mentir que... Ce serait hypocrite de ma part de te dire que mon objectif c'est l'argent pour derrière te refuser une proposition comme celle que tu es en train de me faire. Mais si j'ai bien compris, une fois que j'aurai fait ça, j'ai une seule contrepartie à te demander. Ouais. C'est que ce qui se dit entre toi et moi reste entre toi et moi et que chacun tienne sa langue. Parce que je sais que j'ai la logistique et les moyens de le faire tranquille. Par contre, si à un moment donné j'ai un retour de bâton, la seule possibilité que ce retour de bâton arrive, c'est qu'il y en ait un de chez toi ou toi-même qui ait parlé. Nous, on parlera pas, nous. On parlera pas. Après, mes gars, j'espère pas aussi. Hein. En tout cas, celui qui parlera, tu sais comment ils finissent, hein, les balances, hein, à l'ancien. Tu me donnes ta parole que la balance, tu t'en occuperas. Ouais, directement, je te la passerai carrément. Je te la donnerai. Ok. Et derrière moi... parce que bon, je pensais que t'allais m'en parler, mais en fait t'as plus de couilles que ce que... En fait, je t'ai sous-estimé. Hein. Moi, je pensais que t'allais me dire, ouais, mais après, qu'est-ce que si la suite, par la suite, s'il y a des conflits avec eux... Moi, et derrière, moi, je peux te proposer des calibres. L'argent, c'est l'argent. Ouais. On parle de pognon. Ouais. Je suis un gangster, j'aime l'argent. C'est tout ce qui compte. Le business, c'est le business. Je suis pas là pour faire dans les sentiments. T'as vu, moi, on me propose de l'argent, je prends. C'est tout. Et demain, tu vois, pour être encore plus honnête avec toi, si on me propose de l'argent pour faire quelque chose qui va peut-être à l'encontre de tes principes à toi, là, je le fais pas parce que j'ai quelque chose contre toi, je le fais parce que c'est de l'argent. Comme tout gangster. C'est pour ça que nous, moi, à la base, nous, on est tous des mecs du Sud, hein, mais on a vu où est-ce qu'il y avait de l'argent, comme tu dis. Ça veut dire que c'est pour ça que on a choisi notre camp, quoi. Et c'est pas les Wuzang qui vont nous donner à manger, hein, ces fils de pute, là. Écoute, c'est sûr. Ça veut dire que moi, regarde là, vas-y, carré, tu peux faire ça pour quand, tu penses? En vrai... On va s'y mettre là, hein. On va s'y mettre maintenant, je te montre pas. Vas-y, impeccable, hein. D'ailleurs, nous, on a des calibres aussi, si tu veux. On a des calibres, comme je dis à tes gars tout à l'heure. Tout de suite.
T'as des balles. T'as des balles. Ouais. Ça peut nous intéresser par contre. Je vais pas te mentir que niveau calibre, on n'est pas à plaindre. Par contre, niveau balles, tu peux les faire tout de suite les balles. Ouais. Tu peux faire combien? Pas beaucoup par contre, hein, doucement. Et si je te fais des balles, vas-y, tu prends un calibre au moins pour aider les refs qui essaient de s'en sortir. Il est fait à combien les balles? 3K. Ok. Et tu peux faire combien de boîtes? T'as une chaise. Combien les gars on peut faire? 3, non? Je sais pas. Ouais, 3. 3 boîtes? Ouais. Calibre, tu le fais à combien? Ça dépend lequel tu veux. Je sais pas, avec du 45, donc... Un Beretta? Beretta. Ouais. Combien les gars? Beretta, c'est 45. Combien? 45 000 dollars américains. Après les gars, ouais, ça vaut plus cher. C'est normal, nous on n'est pas des... Tu vois, on est... Il y a des intermédiaires. Mais... Ça te sort, mais, ouais, voilà, mais tu ça l'as sort. Direct, tu vois. Nous, on a déjà payé des Beretta 50K, carrément. C'est parce qu'au lieu d'attendre plusieurs jours, tu le prends tout de suite. Certes, c'est 3-4 000 dollars, mais les gars, 3-4 000 dollars, tu le fais en 30 minutes. C'est pas... Ouais, bien sûr. Après, je vais pas te mentir que... C'est vrai que je les touche beaucoup moins cher, mais je les ai aussi le soir même. Bah, t'en as bien de la chance, alors. Bah, comme je te dis, hein, y en a qui sont concentrés sur les embrouilles, et nous, on est concentrés sur les affaires. Avec les Wuzang, tu leur achètes des trucs? Passe-moi ta chaise. Rien du tout. Mais t'es sûr de... Que c'est toujours d'actu, là, ton délire de te livrer le soir même, tout ça? Ouais. Ah ouais. C'est qui? Il va pas dire. Ah. Creepy. Non, tranquille, hein, je demandais au cas où, tu m'aurais dit, mais... Il est bon. Je préférerais encore même te livrer ma femme sur un plateau, tu vois. Je dis pas non, l'ancien. vas-y, hein, nous on attend votre appel dès que vous allez, les gars. Et vas-y, impeccable. Toi là, tu devais me donner des noms là, des mecs dans le sud qui sont vraiment dans leur alliance et que c'est les. Ils bougeront pas. Ils sont imbougeables. Tu me dirais qui? Franchement, je te dirai des choses quand j'en serai sûr, mais le problème c'est qu'il y a tellement de girouettes qui retournent leur veste dans cette ville que je serais incapable de te dire réellement quelle alliance serait réellement solide. Donc je vais pas m'avancer sur des choses dont je suis pas sûr. Par contre, le jour où je te donne une information, c'est qu'elle est vérifiée, elle est sûre à 100%. Ok. Vas-y, impeccable, hein, on se tient au courant pour ce qu'on s'est dit et on voit. Ok. Zach et un deuxième. Et un deuxième, ouais. Pas Sony, okay. Pas Yagi. Ouais. N'importe lequel. Ok. C'est carré. Et en gros, si j'ai bien compris, toi tu le feras, en gros ils vont pas savoir que c'est toi, quoi. Non, pour l'instant j'ai aucun intérêt à... On va dire que j'ai pour l'instant aucun intérêt, là, tout de suite, à me démasquer, pour l'instant. J'observe. Et une fois que j'aurai bien observé et que j'aurai réellement vu où je peux en tirer mon épingle du jeu, tu vois, là, je regarderai. Mais tu vois, je te le cache pas. Perds pas trop de temps, l'ancien, parce qu'un jour, moi, je vais me réveiller... Et t'as vu, je vais en avoir mal de tous les gens qui observent et qui attendent et ça va péter. Hein. J'attends par rapport à vos histoires. Mais ouais, justement, nous, c'est en train de bouillonner de notre côté, là, les gens qui attendent. Ouais. Mais tranquille. Pendant que toi, tu te bagarres tranquillement avec ces gens-là... Non, moi, je me bagarre même pas. Ouais, mais je me bagarre avec d'autres personnes, moi. Tu vois. Ouais, les BGF. Et pourquoi? Pour de l'ego, là, Vespucci, là, vos trucs. Non, tu vois, c'est ça le problème, c'est que t'es dans le faux. Je me bats absolument pas avec les BGF. Tu te bats pourquoi, l'ancien? Et je me bats, j'ai d'autres comptes à régler avec d'autres personnes. Mais ça, tu le sais pas, tu vois, parce qu'on crie pas sur, on va pas le crier sur tous les toits. Mais j'ai des comptes à régler, tu vois.
Donc moi, venir danser avec vous, il n'y a pas de problème. Mais je demande à personne de venir danser avec moi quand il faut que j'aille, on va dire, remuer un peu la poussière de mon côté à moi. Si je te dis que je suis bien armé, c'est que j'ai déjà utilisé ma logistique. Si j'en ai besoin, c'est que j'ai des gens aussi à taper. Et d'ailleurs, ça n'y a pu le constater la dernière fois. Ouais. Non, mais vas-y, tranquille, hein, tranquille. On reste branché et tu me tiens au jus pour les deux autres. Je préviens, ils vont mourir, hein, ça veut dire... prends pas ça à la légère. Ok. T'as dit quoi, Guapo? Parle plus fort. Mais on t'entend pas. J'ai dit c'est des vraies affaires, comme il aime bien. C'est des vraies affaires parce que tu m'alignes un chiffre à 6 chiffres. Ouais. C'est ça. Alors, je te mens pas, c'est surtout aussi pour... c'est qui ce Zach? C'est un afro de chez eux, c'est le seul afro. Eh, le petit shooter, là. C'est lui qui... Ouais, je vois bien qui c'est, lui. Ouais. Ok, il a quelle position chez lui? Voilà. C'est un arrière-gauche. C'est un écuyer. Exactement. Creepy. La dernière fois, je suis passé à ton quartier et je savais que vous étiez voisin. Mais j'avais jamais réellement vu à quel point vous étiez très 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 proche en tant que voisin. Donc je suis sûr que ces mecs-là, quand t'es assis sur ta terrasse devant ta petite baraque, tu les vois faire des barbecues juste en face. Tu vas me dire que tu sais pas si ce mec c'est une petite merde ou c'est quelqu'un d'important. Ah non, c'est une petite merde, mais après à quel point, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un soldat. Ok. Ok, vas-y, parfait. Vas-y. Bon bah vas-y les gars, on se met là-dessus, on va pas vous prendre plus de temps. Tranquille. Vas-y. Vas-y les gars, pour ça. Big up, man. On dirait qu'ils veulent absmouiller, hein. Bah oui, bah... Attends, pas j'en ai vu des salopes dans ma vie. Mais... Je connais un, t'as vu, qui coffre les infos pour lui. Même sans mille trop le pas, je lui propose. Non, il aime trop la paix. Ouais. Check-moi. Attends, je... Bah dans ma tête, elle est Jurassic 70. Quoi, 50, ouais, bien. Ça portait. Ouais. Tu m'as appelé, j'ai vu. Ouais, c'est comment? Bah du coup, laisse tomber, Crépy, je te mens pas. C'est, comment dire, trop gros investissement, là. J'ai pas les fonds, là. Ah ouais, ok. Vas-y. Bon. Reyes, il a refusé. Oui, Narden. Ouais, vous pouvez bannir Reyes du Nord ou pas? Il a refusé. C'est très bizarre. Hein, ça va vite, hein. Un petit peu pour agir, hein. Attendez dans la voiture. Attendez. Reyes a refusé. C'est bizarre, à mort. Là, faut qu'ils se rendent compte de... S'ils choisissent pas, s'ils restent neutres, ben ils sont perdants. Parce que là, eux, ils... Je sais pas. Là, je viens de voir pareil, le Crimson. Hein. Un vrai fils de pute, lui aussi. Hein. Bah oui. Mais là, je lui ai proposé, je voulais voir avec vous, justement. Je lui ai proposé 100 000 pour qu'il me livre deux gars à Sony. Parce que vous pouvez faire un petit geste. Et je mets aussi de ma poche. Pour essayer de les mouiller, mais parce qu'en gros, ceux qui vont me livrer, je vais les tuer. Donc c'est sûr que ça va le mouiller. Mais il m'a dit qu'il va le faire, mais masqué, ils vont pas savoir que c'est lui. Bref, ils sont tous. C'est plus des petites bites, hein, je suis d'accord, Narden, ouais, c'est un peu le problème. C'est pour ça que j'essaie de les mouiller pour pas qu'ils soient... Mais regardez, le meilleur moyen de les mouiller, c'est que de leur proposer des grosses sommes où ils peuvent pas refuser. Et s'ils refusent, ils aient des répercussions, quoi. Aussi simple que ça. Et sans mis sur Guevara, il y en a qui ont refusé. Oui, parce que... Non, mais je vous jure, ça, parce que c'est très dur. Hein. Même moi, là, j'ai refusé. Je le fais plus. Avant que ça soit dur, au tout début. Au début, c'était pas dur. Ouais, sûrement. Mais là, je pense vraiment que vous devez interdire ceux du sud, ceux qui choisissent pas leur camp, vraiment. Rien à foutre, moi je me mouille, hein. Là il va savoir, hein. Vous l'appelez, vous lui dites, vous êtes interdit du nord, il va savoir très bien que c'est moi. Je vais le faire, mais d'abord je vais le voir. Ouais, voilà, faites. Parce qu'il a refusé une proposition, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Ah oui? Je lui ai dit, exclusivité sur la mette et sur les armes. Mais là, il touche pas un autre truc qui fait qu'il en a rien à foutre de la mette. Mais qui? Qui? Je sais pas, moi j'en sais rien, je le connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Y a personne, c'est pas possible. Non, c'est juste que, je sais pas, ils veulent pas être dans les embrouilles du Nord. Ils veulent pas être dans ce camp-là. Et on parle même pas de camp.
Oui, c'est ce que moi je leur explique, c'est le camp de l'argent, c'est pas un camp, nous. C'est ce que je leur dis, mais en gros, eux, ils se disent quoi? Ils se disent que en venant dans... en achetant tout le bordel là au nord, je me mets à dos tout le sud. Voilà ce qu'ils se disent. Vous allez me croire que tous ces mecs là font pas déjà de la cam qui vient du nord au final? Je pense pas, hein. Je pense que la meth, c'est vraiment personne en a là. À part Paradise la meth, et... La meth, la coke, la beuh, ça vient de chez nous. Ils en ont forcément tous. Les Dems. Attendez, Reyes, c'est le bourreau. Ouais. Ouais. Moi j'y suis allé à El Bourreau, hein. J'ai demandé moi-même de la drogue, hein. Ils pouvaient m'avoir ce que je voulais, hein. Ils t'en vendent, hein. Oui, mais pas à foison, pas autant que... Enfin, pas à foison, quoi. Non, mais écoutez, pas à foison, mais ils le font. En donc, cachette, dans votre dos, dans votre dos. Ils voilà, le font. Mais bien sûr, mais ça, ils le font. Ils doivent tous se le dire, ça. Ouais, on va dans le nord, on va faire de la cam. Ils le font tous. Je pense même qu'ils doivent avoir des intermédiaires, des petits habitants à eux qui le font pour eux, des petits trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'on met le badge et qu'il va falloir qu'on sévisse au niveau de cette histoire-là. C'est ça, mais en fait, de faire de la cam dans le nord, c'est pas pareil que travailler avec les mecs du nord. Eux, ils refusent de travailler avec. Il faut comprendre que si. Et on demande pas de bosser avec nous, il faut qu'on soit au courant, c'est tout. Ils vous mettent pas au courant. C'est ça. Donc vous interdisez le du nord, ce fils de pute là. Bah, je vais le voir. Envoyez-moi son numéro, s'il vous plaît. Tout de suite, genre. C'est eux qui t'ont fait ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, prends ton envol. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Putain. Ouais. Justement, t'as vu là, appelle-le, dis-lui, t'as vu, il nous doit quand même combien 40? Il nous devait combien? C'est bien, là, c'est correct. 50. Et bref. Appelle-le, dis-lui, c'est comment ils nous passent les 40 ou les 50 et on les baise leur grand-mère, on les pose la question par rapport à son labo. Eh, hey, mais tu penses qu'il a parlé à Ghost Dog, Reyes? Pour ça, il veut plus. Je sais pas. Ouais, en vrai, il a dû questionner, mener son enquête, essayer de savoir. Oh, allô? Ouais, t'as parlé à Reyes ou pas? Je parle pas, c'est pas mon gars. Ouais, ça, je vais lui baiser sa mère, moi, c'est mon premier ennemi là. Quoi, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Non, je lui ai parlé, je l'ai branché en mode pour le Nord, je lui ai parlé d'un Annie, une drogue exclue, arme, tout, dinguerie. J'ai proposé 100K, pareil que toi. La vie de ma mère, ouais. Il l'a refusé. Et pour refuser ça, ça veut dire quoi? Merci, il cook la cheveux blanc. Ah ouais, mon pote. Il est dans la kitchen. Il est dans la kitchen, mon pote. Ah, putain. La vie de ma mère. Appelle Cooper et donne-lui cette info. Vas-y. Et dis-lui. T'as joué à PRS. De quoi, c'est ça? Appelle-le en mode. Non, il commence à créer Ghost Dog en mode. Ah bah, je t'ai dit quoi? Il cook. Il est dans la kitchen. Il est trop gros, lui. Tu sais qu'il a pas tort, hein, en vrai. Hein. La vie de ma mère, il a pas tort. Qui s'est fait en train de parler des bourreaux, ils ont rasé le crâne. Qui? Ils ont rasé le crâne, les meufs des bourreaux. Vas-y, vas la pause. Je sais pas, il dit venez. Écoutez les vocaux, ils disent quoi? Ça dit quoi? Je vais appeler. Venez. Ils en voient encore? Non. Je t'ai dit où c'est la pause. C'est où la pause? C'est où? C'est vers l'unicorne. Ça a dit quoi là? Attends. Il a dit on arrive par derrière, on va tous arriver sur eux. C'est qui est là-bas? J'ai appelé un mec. Joue, c'est sorti. On doit faire quoi? Cagoulez-vous. Il se passe quoi là? Bougez, on va pétarder vos gars, on va pétarder les mecs. C'est qui que t'as là? C'est qui? C'est des bloods. Bon bah les couilles, moi, être leur vie, moi, rien à foutre. Il se passe quoi là? C'est pas notre souci, frère. Rien à foutre, moi, pétarde-leur leur grand-mère, hein.
J'en ai rien à branler, moi. Comment ça, pétarder, moi? Personne ne pétarde, moi. Il se passe quoi, là? C'est qui? C'est qui? C'est King? Là, c'est les Black Day. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Faites-nous un résumé, là, de ce qui se passe. On pensait qu'il y avait une transaction, frérot, donc on est venu chez toi. Ouais, mais c'est... En gros, c'est quoi? C'est les Bloods, ils faisaient une transaction? Ouais. Et c'est quoi dedans? Y'a quoi dedans? Y'a rien. Mais c'est vrai, le Bloods, ou pas? Tu veux venir vérifier? Vérifie, y'a rien. Vas-y, vérifie. Après, y'a un speedo qui est parti, justement pas. Et lui, il me dit qu'il parlait juste, t'as vu? Ah, mais t'es posé, hein? En train de faire là. Oui, t'es posé, oui. Putain, j'ai là. Ok, mais là... Ah, mais là-bas, là-bas derrière, c'est nos gars, là-bas, à droite, là. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit. Rejoignez-les, mec. Mais là, King, là, tu vas les relâcher, je crois, hein. Ouais, je vais les relâcher. Bah, ils nous servent à rien. Ils me servent à rien, je m'en bats les couilles. Mais baisse ton pétard, King, baisse ton pétard, là, avant que je m'énerve. Bah, déjà, t'es gars de baisser la refrange, frérot. Mais c'est qui, là, déjà? Là, c'est Creepy, c'est Creepy. Bah, j'ai à tes gars de baisser leur flingue, et puis je baisse le mien. Mais en fait, là, j'analyse, là, on dirait que t'es dans une salade, là, non? En fait, je viens d'arriver, là, je suis dans un. Une très belle salade. Une salade César. Attends, stop. Mais. Décale. Les gars, vous pouvez aller un peu à gauche aussi. On va partir. Allez un peu à gauche aussi, les gars. Les gars, allez un peu à gauche. Non, là. Arrête de bouger tes voitures, on va rien vous faire non plus, on s'en bat les couilles, t'as vu, on va partir. Je sais pas si t'avais une transac avec eux. Non, j'avais rien du tout, sinon je te l'aurais dit. Mais. Ben voilà. Non, King, hein, tu vas poser tes calibres, hein, je te mens pas. Tu le rends dans le parking, non? Parce que là, s'il y a une patrouille, on est mort. Eh les gars, il y a deux automatiques là. Eh, vous êtes en tout, là, je donne l'ordre. On vous éteint tous, hein, et je tire dans la tête aussi des Bloods, on m'en bat les couilles, hein. Ah, vise bien! Attends. Ah, moi je vais te viser, rien à foutre! Vise bien! Moi tu veux que je pose mes armes, Creepy, pour explique-moi! T'as vu, y'a pas d'attente, y'a d'autres voitures qui arrivent, t'as vu? Parce que t'as vu, je dois te parler! Et gagne pas de temps! Eh, j'ai 5! Bah laisse partir! Non, attends! Laisse partir, Omega, tu me prends! Laisse partir, Omega, tu me prends! Partir aussi, hein! Ferme ta gueule, toi! Vas-y, si tu veux, moi je vais rien te faire de mal, hein! J'ai juste. Voilà, laisse partir, Omega, et c'est tout! Vas-y! Vas-y, viens! Vas-y, partez, Omega! Partez! T'entrais un King, on va rien te faire. Hein. Non, t'inquiète, ils sont. Viens vers nous, viens vers moi là. Viens vers et vous là, dites à Ghost Dog, hein. Il me doit 25 000. Vas-y, le gros, viens. Et prenez-les, hein, m'en bats les couilles. Bon, écoutez, un King. On le prend, bouge. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas de patrouille qui passe, sinon on est cuit. Il y a l'Estis qui tourne, faut la France. Ouais, c'est bon, tranquille. Putain, je ramène la voiture. Attends, Il est où, King? Il est là, il est avec moi. Viens, on bouge, non? C'est bon, t'as deux gars, c'est bon, vas-y. Vas-y, conduis. Il y avait. Il y a quelqu'un sur le pont là-bas. Il y a quelqu'un sur le pont. Ça, viens, on bouge. Monte. Vas-y. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Je sais pas, ça prend en photo. Ça a tiré, les gars, ça a tiré. Ouais, ça tire, ça. C'est des trous de balles. Vas-y, barrez-vous, là, suivez-vous pas. Prends une route, prends une direction. Tourne à droite. Tourne à droite, s'en bat les couilles, tourne à droite. Ah, le bon vieux King. Et préparez-vous, on va péter les mecs au-dessus. Gauche. Mais c'est qui a pétardé? Je sais pas, c'était pas nous. Va à droite, ah, dommage. Oh là, je peux pas tourner. Ouais. Et tout au fond. Putain. Ils ont juste taillé. Ouais, ils ont bouché. Je crois qu'on va le livrer au nord, non? J'appelle Cooper, je lui dis. C'est quoi la voiture à gauche? La réunion. Eh, putain. Et dis aux autres qui temporisent, on leur envoie. Enfin. Ouais, t'inquiète. Tu leur envoies des bonnes. Eh, vers le barrio Vagos, dans la cave là en bas là.
Et il le veut, Cooper. Oh la dinguerie, il est dans la merde. Yes. Ouh, la vie ma mère, ce fils de pute, tu vas le niquer la business. Putain, j'ai l'ange. T'as vu c'était qui ou pas le mec là, le gros là? Ce mec à Ghost Dog. Ouais. Mais ah oui, mais ils l'ont quand même pris. Hein, on aurait dû le garder. Hein. On aurait eu. Bah non, bah les couilles, non, faut pas non plus. Qu'on... Merde, ça allô. Allô, ouais, ouais, qu'est-ce que tes gars, ils se sont fait péter par les gars à King, hein. Non, mon ref, écoute-moi. Moi, ouais. Ce que j'ai fait là, c'est fait exprès. Et la vie de ma mère, toi, moi, j'avais raison. Ouais. Envoyez la pause aux autres ici. Ouais. Tu vois, moi, là, j'avais raison sur Reyes. Ouais. Bah, toi, t'avais raison sur aussi sur un autre bail. Regarde ce que j'ai fait. T'as fait quoi? T'as capté? J'arrive avec deux camtars totalement vides. Ouais. Là, j'appelle les pops. Venez, y'a de la bleue. Y'a de la bleue. La vie de ma mère. C'est King qui vient. Genre, la vie de ma mère. Mais y'avait même la voiture à Sony. Ah ouais, non, t'es bon. Non. La vie de ma mère. La vie de ma mère. J'ai vu, là, elle est passée. Après, peut-être elle est passée parce qu'elle a vu le grabuge. Toi, t'as vu ce que je faisais, moi? T'as vu comment je suis arrivé? Ouais, mon gars, il est en FaceTime. Vous avez fait dinguerie, hein? Ouais, moi j'ai King là. Je vais lui baiser sa mère. Voilà. Ouais, ouais. Bien. Non, c'est carré là. C'est carré. Non, mais voilà, maintenant on a toutes les preuves. Ok. Ouais, carré. Vas-y. Ah, je suis mort. En fait, Ghost Dog, il a appelé les. Ah non, il est bon. Hein. Il a appelé les pops, il leur a dit j'ai de la mettre, 200 mètres. Il a pris deux camions vides et il les a ramenés. Mais ils sont trop cons, les pops. Hein. Ils envoient tout direct. Faire au moins une transac où il paye pour être cramé. Eh, le nouveau numéro, c'est Salchi. Ouais. Non, et il les a baisés sales, hein. Ah, ça va les baiser, hein. Ah là 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 là. Bien réel. Ouais, le petit bras. Oh. Hop. Il est où? Je suis là, Faro. Non. Ah. Putain, King, je pensais pas, hein, je voulais pas tomber sur toi comme ça, mais visiblement t'es... Assume au moins qu'ils ont fait un guet-apens, les ouais, bouches, t'as vu. Ouais, c'est ce que je viens d'apprendre, t'as vu, j'explique. Là, si t'es tombé au hasard, t'as vraiment de la chance, hein. Non, ouais, ils nous ont pas appelé, hein, les... sinon je les aurais sauvés. Hein. Non, là, j'ai appelé Ghost Dog, tu vois, pour le mettre au courant, je lui dis, ouais, y a tes gars, King, il les a. Il m'a dit, non, et tout, t'es pas au courant. En fait, en gros, ils t'ont tendu l'hameçon et t'as sauté dessus, hein. Ils voulaient tester des clients, et tu les as grillés, je crois. Mais la vie de ma mère, ils sont juste trop cons, en fait, frérot. Hein. Ils sortent de... On passe devant chez eux, ils sortent avec les trois trucs, comme par hasard. Arrête de... Oh, le menteur. En gros, Ghost Dog, il a pris deux camions vides. Il a dit au Pops, ouais, j'ai 200 de mètres. Et à qui vient? King, le bon vieux King. Mais frérot, ça m'arrange. Les gars, oui, il s'est passé ça, oui. La vie de ma mère, et oui, si vous voulez, il s'est passé ça, les gars, ouais. Ah bah, encore ouais, rien, moi, tranquille, hein, moi, je m'en On fous. Fait nos conclusions. Ouais, non, mais... Conclusion non, hâtive. Parfait. Mais là, King, c'est comment, là? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? De quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais qu'on s'était vu l'autre fois sur le parking. On a parlé, t'as vu bien, bon truc. Carrément, tu nous as même lâché des infos, que ta mère, tu l'as touché à 200, nanani, tout le délire, que tu voulais baiser Sony. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu veux quoi? Un coup de fil? J'appelle tout le monde, je leur dis ce que tu m'as dit ou quoi? J'appelle les Ouzang, je leur dis que tu m'as balancé ça. J'appelle Sony, je dis que tu voulais le baiser, je sais pas quoi. C'est quoi le délire que t'es en train de me faire là, avec votre... Quel délire? Votre fusion, là, votre union, là, l'union des du sud, la bizarre, je sais pas quoi, à faire les douaniers là. À péter tout ce qui vient du nord. Là, votre alliance là, que vous avez fait, la commerciale, là, je sais pas. C'est ma décision perso, Creepy. Après, il y a des gens qui ont le même. Non, la on même est façon au courant, de prendre. Non, êtes tous mais oui, mis, non, d'accord, mais oui, écoute. Arrête. Non, écoute, oui, mais écoute. C'est ma vision des choses. Maintenant, ils ont la leur, qui reflète à la mienne. Donc, bah, ça fait que quand chacun a ça. En fait, il y a un grand pas entre le moment où on parlait, toi et moi, et la suite. Hein. Les Wuzang. Ils ont arrêté la bleue parce qu'ils ont pris pression de... Ils voulaient certaines conditions, l'autre fils de pute de shérif là. Et du coup, ben, ils se sont retirés à cause de ça. Donc ça fait que moi, ça a été le déclencheur parce que c'est mon business. Je devais livrer une tonne cinq semaines. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. Et le fait que ces fils de pute choisissent qui livre quoi, quand, comment, moi, ça me plaît pas, tu vois. Ouais, mais c'est leur... En fait, c'est leur état, c'est chez eux. C'est normal qu'ils décident.
À un moment donné, c'est... Non. Ils font leur job. Ils font leur job de flic comme font le LSPD. Ouais, t'as vu, ils contrôlent, ils font les machins. Oui, bien. Sauf que eux disent, tiens, par exemple, hein, les rednecks, vous allez travailler avec Creepy. Et uniquement avec lui. Et si Creepy, nous, et moi, j'obéis pas, comme une chienne. Voilà, ouais, bah, voilà. Normal. Bah, on vient, j'ai tout sur un plateau. Là, dans le sud, demain, il y a le capitaine, il vient me voir, il me dit, bon, tu bosses avec eux et on te laisse tranquille. Mais j'accepte. C'est mais normal. T'es au courant que tu bosses avec des... C'est comme si tu bossais avec des flics, Creepy. Hein. Tu bosses avec des forces de l'ordre. Hein. Des mecs qui font régner une loi. Hein. T'es au courant ou pas? Ouais, mais après, voilà leur loi aussi. Tout est autorisé. C'est la merde, tu vois pas. Ils sont bourrés. C'est la loi des gangsters. Ouais, mais tu sais que, demain, Creepy, quand pour eux, tu feras plus l'affaire, ils vont te remplacer. Ouais, je sais, mais je ferai l'affaire. Je fais en sorte d'être solide, tu comprends? Comme là, j'appelle Cooper, je lui dis je suis jeté, mais tu sais qu'il fait un malaise. Hein. Ça m'étonnerait, je parlais avec lui hier à la frontière, il attendait mes retours, mais... Ouais, mais tu lui as dit quoi à la frontière? T'es bien accompagné à la frontière aussi, hein. C'est pas pareil. Et ma mère, c'était méga. Wuzang, Sony, nain... Ils sont venus parce qu'ils ont vu, c'est tout. Donc toi, tu t'en bats les couilles de la vie à Sony? Tu t'en bats les couilles de la vie aux Wuzang? De leur avis? De leur vie, de leur vie. Ben, si là, demain, y a, y a si pas demain, une entente entre vous où vous êtes en train de vous pour je sais pas je quoi. Je t'ai dit on a la même direction de pensée. T'as vu? Donc ça fait que quand t'as la même direction de pensée, tu vas du même sens et ça fait que indirectement c'est pas une alliance. Hein, est-ce que tu veux faire de la maille, toi, King? Oui, je veux faire de la maille, mais je veux pas bosser avec des militaires ou des flics. Mais tu peux pas alors, tu peux pas. Où est-ce merci je fais quoi moi du coup là? Je crois que mon quartier il est à sec. T'as vu, c'est pas des flics comme ceux du sud. C'est tu vois c'est des t'as vu, c'est des méchants encore plus que nous. C'est des voyous et des plus gros voyous que nous. Mais c'est pas pour rien que je m'en prends pas directement à eux. Hein. Non mais en gros y a pas de honte. Hein. Je vois t'es complexé. C'est parce que quoi? Pour ta couleur de peau? Comment ça je suis complexé? Bah, je sais pas, non, là, tu veux pas bosser pour des blancs, t'es raciste. Non, là tu te trompes, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, mais ça veut dire que là... Putain. L'entente, là, les... Enfin, t'as de la cam, toi, t'as de la dure. Ouais, j'ai de la cam, ouais. Tu la prends à qui? Bah, tu sais très bien qu'ils vendent un peu de cam dans le sud, non? De la dure. Ouais, les ouais, mais eux ils en ont pas à mort, non? Mais c'est suffisant. Tu sais, je vais pas faire écouler 500 kilos tous les jours, hein. J'ai pas que ça à foutre. Hein. Je fais de l'argent ailleurs. Y a qui dans l'entente là du sud? Y a qui? Je dis, c'est pas une entente, c'est un mouvement. Les gens ils y réfléchissent pareil, donc bah obligatoirement. Ça se rejoint. Oui, le mouvement, l'entente, tu trouves le nom que tu bah veux, moi, l'alliance, moi, le moule de suceur, j'en sais rien. Bon, Creepy. Bah oui, vous êtes là, ouais. Hein, vous... Je peux dire pareil de toi, du coup. Bah non, parce que moi, t'as vu, c'est que l'argent. Et je bosse avec personne, j'ai mon fournisseur, que je le rencontre pour faire mes cargaisons. Hein, Cooper, il m'appelle de temps en temps. Tac, je bosse pas pour tout... Cooper? Si, c'est ce que je te dis, mais voilà. Que pour de l'argent. T'as vu, demain, il m'appelle, il me dit, fais ci, fais ça. Y a pas de l'argent derrière, je fais pas. Y a pas de... Et moi, je lui dis, et je le répète de pas à lui, à vous, à tout le monde, nous, pourquoi on est un peu du côté du Nord, même beaucoup, c'est parce qu'on est du côté des dollars, on n'est pas du côté de... Tu vois, pas d'idéologie. Pas d'idéologie, pas de genre, la maille. Tout. Si, j'ai des valeurs et des principes, si. Oui, les dollars. Bah, je sais quoi, mais c'est quoi nos valeurs? Pourquoi tu me fais nos valeurs, c'est la maille, c'est la... les idées mères. Bah ouais, je vois tes... Je sais pas... C'est pas une question de hippie, frérot, c'est une question que si moi je suis dans le business, je suis dans les affaires, c'est pour faire ce que j'ai envie. Pour faire de l'argent. C'est pas, voilà. c'est pas le shérif Copperfield qui va décider avec qui je travaille, pourquoi et combien je passe de cam à la frontière, frérot, tu vois. Et il fait pas ça, hein. Oui, bon. Non, il fait pas ça. Un peu, hein. Personne sait ce qu'on fait. Exactement, et je t'explique. À vous, mais je t'assure que plus haut, ils régulent énormément, hein, crois pas. Hein. Non, c'est juste, il y a des mecs qui... C'est juste, en gros, je t'explique. Il y a eu un rendez-vous, il y avait tout le monde. Et chacun a choisi avec qui il veut bosser. Et ensuite, en fait, eux, ils veulent juste être au courant et avoir une part. C'est tout. Et c'est normal parce que c'est leur territoire, c'est chez eux. La frontière, c'est eux qui la gèrent. Donc c'est normal, tu vois. Au final, nous, on a accepté de quoi? On a juste, ils sont juste au courant de ce qu'on fait. Et
on paye pour passer la frontière. C'est tout. Il y a pas de je sais pas quoi, il y a pas de tu vois. Personne a choisi qui va bosser avec qui, c'est des choix perso. Non, il interdit Cooper de bosser avec des mecs hein. Mais moi je bosse avec plusieurs dans le nord, je l'encule moi Cooper, c'est ça que tu comprends pas. Je le baise moi. Oui, voilà, donc t'es malin, mais sauf que moi je peux pas devant lui faire le suceur et derrière lui baiser sa mère parce que justement, t'as trop je travaille pas trop avec principe. Des mecs comme donne-moi lui. À boire, là. Donne-moi à boire, le King. J'ai pas à boire, donnez-moi à boire aussi moi s'il vous plaît les gars. Il y a quelqu'un à boire s'il vous plaît. Ouais, tiens. Je me sens pas bien là, je stresse, je panique. C'est ce que je vais essayer de trisser moi. Mais c'est-à-dire, c'est quoi qui te gêne exactement? De travailler avec Creepy. Mais c'est pas. Mais tu travailles pas! Tu travailles pas! Tu payes si, parce que pour la frontière. Mais oui, mais même si tu payes, déjà tu leur donnes de l'argent, tu vois, c'est. C'est comme si tu travaillais avec eux. Et puis, tous les jours, le nombre de gars qui pètent, qui vendent et tout, qui pètent de tes gars, ils en ont pété plein, même des calibres, tout ce que tu veux. Mais tu payes plus le LSPJ que eux hein, à l'heure actuelle. C'est juste, c'est. Psychologiquement, oui, dans ta tête, tu les payes pas, mais. Si, je paye oui, des amendes, oui, à la limite, oui, si tu veux. Voilà, je suis avec, hein. Il a une chaise, j'ai une chaise, on parle, on discute, face à face, comme c'est des hommes. Ouais. D'accord. Bon, vous gérez ça vous, alors. Bah. Attendez. La chaise. Vous m'entendez? Là, vous le voulez pas? Là, il... Ça dépend, il a pris une décision ou quoi? En gros, il est contre parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas bosser avec des shérifs. Il est contre le délire de bosser avec des flics, l'armée, je sais pas quoi. Mais là, il veut pas. Il bosse avec le SPD. Hein. C'est ce que je viens de lui dire à l'instant. Je lui ai dit, dans tous les cas, tu bosses avec eux, même indirectement. Mais là, il est contre à 200%. Là, hein. À 200%. Mais je sais pas quoi faire pour eux. Pour le je sais pas. Oui, mais bon, si je mange des coups de pression, il va rester con vraiment là. C'est lui qui va faire les taper les combats. Bah, je crois qu'il va le faire. Hein. Par contre, il a de la dure. Hein. Il a de la dure. Hein. Ah oui. Ouais. Et je sais c'est qui. C'est des afros, tout ça. Il y en a plusieurs. Donc, ouais, faut c'est que... les Paradise. Non. Rien à voir. Non, c'est des autres sur la côte. Ils sont beaucoup. Hein. Ils sont vraiment beaucoup. C'est qui ces mecs? C'est des afros. Il y en a deux ou trois. De par contre, on a eu encore apparemment Reyes s'est fait livrer de la coke. Hein. Ils ont pris un des. On vient d'avoir une réunion dans le Nord. Il y a des mecs dans le Nord là qui sont établis depuis pas longtemps qui ont passé de la coke pour Reyes. Hein. Donc ça va dans ce sens. Hein. Putain, ils ont passé quoi de la cocaïne. Et beaucoup. Donc Reyes semblerait bien qu'il fasse de la coke. Hein. Il en vend ou il en fabrique? Ah bah s'il l'exporte du Nord, c'est qu'il la fabrique. Ouais. J'ai pas compris. C'est des gars du Nord qui lui ont vendu de la cocaïne ou il... Non, il les a embauchés pour le faire sortir. Oh, il a embauché des mecs du Nord pour faire sortir sa cam du Nord. Ah oh, ouais. Et il y avait Todd, dire, hein. En fait... si c'était la cam de Todd, il l'aurait dit. Hein. Ok. Mais non, mais Todd, il vous a pas dit qu'il y a plusieurs gens sur la coque. Il y a au moins 3-4, hein. 3-4 laboratoires là dans le Nord. On sait pas qui c'est. Bah, c'est potentiellement Reyes, du coup. Pas que lui. Il y a d'autres mecs. Je vois, je connais leurs noms. C'est des afros. C'est des afros. Bah, je vous tiens au courant pour eux. Je vais essayer de trouver. Mais il y en a. Certains. Bon, et l'autre débile, là. S'il tient un petit peu à sa vie, ce serait bien qu'il lâche un peu du lest, hein. Ouais, je vais lui dire. Que la conversation qu'on a eue hier, du coup, si vous ressort ça, c'est qu'il est toujours aussi con qu'hier. Hein. Oui, non, mais là, il est contre à 200%. Hein. Je l'entends en plus là encore parler. Bon. Mais bon, je vais gérer ça. Ouais. Merci. Salut, il y a rien. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'un mec est branché avec un fournisseur, il donne de la cam, tu la vends, et l'autre, il veut sa pièce parce que tes labos, ils sont sur ses terres. Ça s'arrête là, on t'a pas demandé. T'as capté. Et tu le payes pour qu'il te laisse tranquille. C'est-à-dire, en fait, c'est des corrompus. C'est comme si dans le sud, tu payes une patrouille pour que, vas-y, il ferme les yeux quand il passe à Little Seoul, tu vois. Après, c'est toi. Oui, mais là, si tu veux non, pas faire là, plus, c'est plus... Si là, tu en veux... fait, c'est... C'est plus grand parce que vraiment il tient la bite. Hein. C'est... Et si à un moment ça va pas, il vous l'arrache. Il me tient la bite de quoi? Le Copperfield là. Mais tu te rends pas compte. Je pense que je vous rendais pas compte en vrai.
Mais de quoi tu parles des enjeux politiques, t'as vu ça? Non, mais même pas. Des manières de pas y participer. C'est simple. Il y a plusieurs mecs hein, qui... Il y, tout... hey, y a au moins 4-5 mecs du sud qui bossent avec hein, dans le nord. C'est juste oui, nous, ça, on est un peu plus, tu vois, on accepte ces contrats, c'est tout. Mais si toi, tu as des convictions, des principes et des valeurs, bah, tu refuses ces contrats hein, qui te proposent en plus. Comme par exemple le Guevara, je sais pas quoi, là, le keuf, là. Il y a 100K ouais. sur sa tête, t'acceptes ou tu refuses. Et c'est pas d'esclavage, hein, moi. Ouais, il nous force à rien du tout. Hein. N'empêche que si t'aurais pas, si t'avais pas accepté au début, ça m'étonnerait keuf, keuf. Keuf. La vie de ma mère, keuf. Il t'a vu? Je prends, ouais. Il a mis un coup de frein à main. Vas-y, masquez-vous. Vas-y, barrez-vous, barrez-vous. Non, masquez-vous, masquez-vous, masquez-vous. Masque-toi, masque-toi, juste range ton arme. Moi j'ai gordes, ils sont en l'air. Ouais, elle aime les giros. Hein. Mais il s'est pas écrit comment? Je sais pas, je crois ça. Même, t'es mal à pouvoir de. Genre, c'était grave loin. Il a dû rentrer, je crois. Il a dû rentrer comme ça. Il nous a vu. Hein. La panique. Une tête de la police. Ah, moi, c'est bon, les courses. Ah, merci. Ma mère, elle a paniqué sa grand-mère. J'ai fait exprès. Ils sont là-bas, monsieur l'agent, allez-y. Non, mais j'ai fait exprès pour qu'il panique. Ouais, ouais, comme ça, il se casse, je fais demi-tour, mais vraiment bien joué. Putain, tu régales. Oh, c'est nous, la patrouille. Putain, on va où là? King, tu penses qu'il y a moyen de faire retourner sa veste ou quoi? Sur la hauteur, un peu là. Je pense pas, je crois qu'il va nous dire ce qu'on va entendre après. Oui, frère, on en fait quoi là? Faut faire un truc. Ouais, le Cooper, là. Il le veut. Mais le Cooper, il le voulait. Non, il le veut pas, il le veut pas. Faut lui baiser sa mère et lui dire c'est la dernière fois que tu dis à quelqu'un qui bosse non, avec faut nous. Faire un truc plus truc, un truc plus malin. Faut faire quoi? Un truc où on les baise là, ça sert à rien. Non, je suis d'accord, mais lui, tu peux rien lui proposer, il va rien faire. Jamais. Là, je parle d'un plan. Mais je parle d'un plan. Non, ouais, faut niquer une de ses relations. En fait, le problème c'est qu'ils sont trop branchés, c'est-à-dire ces gars ils ont pris leur téléphone, ils ont dit à Sony ouais ils ont King, Yuzang ils ont King. Mais t'as pas, eh cousin, je parle d'un plan en gros, on les baise, on les force à faire quelque chose, j'en sais rien, on les baise. Non je suis d'accord. Mais pour ça faudrait que les gens qu'on veut le baiser soient pas au courant, c'est juste ça que je te dis. Eh hey, mais t'as l'air, le bail de Ghost Dog en gros il a entendu un piège là où le King il a sauté dedans. Il y avait la voiture à Sony, je pense même Sony il a sauté dedans. Ouais. Après bon son truc sert un peu à rien parce qu'on était déjà au courant qu'il bossait avec eux. Donc bon. Il l'a fait pour lui en gros pour être sûr lui de son côté. Ouais. Comme ça, Sony, il commence à baiser les potes. Il a dû nous voir Sony en train d'attraper King. Il nous a vu sur la sortie. Mais là moi en gros par exemple qu'on peut faire déjà, c'est cousin, si on balance. Ouais. Si on balance, si on balance au Yuzang, qui nous a donné le tarot de la maître qu'il avait, ou on balance même qu'il voulait baiser Sony, tout ça, cousin, ça le met dans la mer, tu vois. Parce que, c'est une de ses relations. Et la plus importante à. Pourquoi je pense c'est Yuzang. Ouais, ouais. Parce que Sony, dans tous les cas, je crois qu'il va pas. Ta parole creepy, est-ce qu'elle va valoir le poids avec tous ces gros si je leur sors le prix, Oui, ça va être vrai, mais là, ils se suivent. Ouais, les gars, ça pue sa mère ici, venez. À droite, on rentre. En fait, ton plan, il est intelligent, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se suivent. Attends. Ils vont se pardonner. T'as dit quoi? J'attends King, il est parti pisser. Ah, ok. Ouais, Toko, pareil. On t'envoie. Ben, pose-toi, King. Ouais, bah, je suis bien là. Vas-y. Non, va là, dans le coin. Attends. Et Aston, toi aussi, si tu vas à l'autre bout du monde, normal, ça nous voit. Mais j'étais à côté, j'étais juste au téléphone. T'es pas obligé d'aller tout là-bas. Non, ça, c'est les afros, hein, ils savent pas bosser. Mais ouais, bref, King, on en était à où, là? Mais du coup, moi, je veux comprendre. Là, pourquoi ça s'est annulé, la MET? Le plan de MET, là, 1500 par semaine. C'est Mertwix. Parce que les Wuzang, il a mis des conditions précises que monsieur Woogie m'a pas dit, ça je le jurais. Il a mis des conditions précises que Woogie n'a pas acceptées.
Et il lui aurait même proposé je sais combien par semaine, là, 600 000 ou je sais pas quoi. Mais... C'est qui, monsieur Woogie? Monsieur Woogie, des Wuzong. Je comprends pas. Bah, tu me parles pourquoi le plafond il s'est arrêté, je t'explique, frérot. Mais monsieur Wuzong a proposé à l'autre Wuzong Woogie? Non, monsieur Woogie a proposé. Non, t'as rien compris. Monsieur Woogie, des Wuzong. Ouais. C'est Woogie Wuzong, ok? C'est son prénom, Woogie. Ok, tu captes. Eh ben, ce mec-là, il a proposé à Copperfield lui a proposé un deal pour son truc. Là, c'est plus clair déjà. Voilà. Bah, c'est ce que je te disais. Mais dis-moi les Wuzong, le Woogie m'en bat les couilles. On a dit, ouais, les Wuzong ont proposé quoi? Non, c'est lui qui a imposé ses conditions. À qui? À Cooper? Non, c'est Cooper qui a mis des conditions à Wuzong. Je vais t'enculer, King, la tête de ma mère. Mais non. Parle trop. Tu sais pas parler. Mais les gars. Mais explique-moi. Il dit à Wuzong, c'est comme ça. Voilà. Il a pas et Cooper business, a dit quoi? Il a dit non. Il a dit quoi, Cooper? C'est mec, chez moi ou? Non, mais parce que ça se voit que tu veux dire ça, ça fait. Bah oui. Non, mais est-ce que c'était compréhensible, Savage? En fait, c'était compréhensible, mais comme il stresse un peu, je crois qu'il n'a pas l'habitude d'être en capture. Oui, man, je suis grave pas stressé. Vas-y, hein, explique. Mais du coup, Cooper, il a donné. Il devait dire quoi? En gros, Cooper, il a mis des conditions à Woogie pour sa mette. Et Woogie, il lui a proposé beaucoup et tout, mais il y a un truc que. Je sais pas, il y a un truc qu'il n'a pas voulu faire. Et du coup, à cause de ça, ça s'est arrêté. Voilà. Ok. Et du coup, là, ce que je vois, c'est le plus gros con de son camp, mais de l'univers. Donc toi, avec ta petite barbe là, que tu lisses, une barbe. Toi, tu viens, tu nous dis, nous, on se fait tenir par les couilles, je sais pas quoi. Alors que c'est toi qui te fais tenir par les couilles. Regarde, en deux secondes, les Wuzang, ils t'ont niqué ton plan, tu l'as même pas eu, rien. C'est toi, en fait, tu te dépends d'eux comme une salope là. Mais moi j'aurais mais pété si, un mais câble. Si... C'est-à-dire, moi on vient, on propose 1500 plus à 200$, je sais pas quoi. Et d'un coup, parce que eux ils ont mal géré leurs négociations, il n'y a plus. D'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus. Mais moi je pète un câble. Hein. En fait, ils t'ont scam. Ils t'ont vendu du rêve. Mais il n'y a pas que ça. C'est... Les rednecks qui se cachent derrière Copperfield, ils sont bien en sécurité là-haut. Hein. Ils doivent bien avoir peur, mais ils sont bien en sécurité là-haut. Il y a plein de trucs qui font que, tu vois, les rednecks... C'est moi à quel mouvement je soutiens ici à Los Santos. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec les Wuzang qui ont raté? Mais c'est un des trucs. Mais c'est un des trucs qui fait que ce mec-là dirige ce qu'il veut en fait et il choisit qui fait quoi avec ses conditions, tu vois. Mais de quoi tu parles? Sur le territoire. Mais on parle pas. Mais on s'en bat les couilles de tout ça. Je parle des Wuzang. Ah merde. Aïe. Mais vas-y quand même, tu vas arrêter. Putain. Ouais. Non, ouais. Mais je disais, ouais, putain. Moi je parle des Wuzang qui t'ont proposé 1500 de mètres et qu'au final ils t'ont scam, t'as rien. On l'a fait le truc, on l'a fait. Bah non, et regarde. Mais si, j'ai reçu 1500 de mètres, je l'ai fait, mais ça devait être semaine. Mais oui, ça s'est arrêté. Mais c'est à cause de l'autre, tu vois, c'est à cause de lui. Mais. Et Cooper, il a imposé quoi? Tu sais quoi? Tu sais ou pas? Bah non, justement, en fait, Woogie lui aurait proposé, je sais pas, près de 600 000 semaines, je crois, un truc comme ça. Et il voulait même pas, et il y a un truc qu'il voulait qu'il fasse, Woogie. Et ce truc-là, il a pas voulu me le dire. Putain, sacré salade dans cette histoire. Et c'est à cause de ça que ça a cassé, tu vois. Attends, je me renseigne carrément. Bah, renseigne-toi. Ah, vous êtes bien. T'enlèves les mains vite fait, King. Attends. C'est moi, j'ai toutes ces affaires. T'as son pétard? J'ai son pétard et son téléphone. Ouais, rends-lui. Et envoie-moi le téléphone. Ouais, allô. Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec les Wuzang pour que. C'est vrai qu'ils vous ont proposé 600 000. Plus loin, je le récupère. Et pourquoi vous avez refusé? Parce qu'ils voulaient passer la plupart de leur cam par bateau. Comment ça? En gros, le seul point de désaccord avec les Wuzang, si je leur ai dit, vous arrêtez de passer la plupart de votre cam par bateau. Ils passaient tout par bateau, la plupart. Qui sait qu'ils faisaient 50-50, mais on voyait pas leur cam à la frontière. Ils passaient 1,5 tonne par semaine par bateau. Je leur ai dit, arrêtez le bateau, réduisez le bateau. On a que des putains de bateaux de merde, là. Et ils ont dit, non, je préfère arrêter qu'arrêter le bateau. Voilà.
Ok. Ok. Voilà, je sais pas quoi en faire là. Il est borné, hein. Il est vraiment, il veut rien savoir. Parce qu'on essaie de le mettre de, voilà quoi, de le réveiller, mais non, il est vraiment, ah, il est dedans. Hein. Mais bon, bah vas-y, moi je vous rappelle. Mais il a pas peur de cadet, ce mec là. Après là, on lui a pas parlé de menace de mort ou quoi pour l'instant. Mais bon. C'est pas hier, moi je l'ai vu, je lui ai bien fait comprendre s'ils en prenaient à mon pays. Ouais, je vais lui dire, Ouais. Sinon, je vendrais pas de cam, je tirerais pas sur les gens. Combien de fois là dans tes fusillades, il y a des petits gosses qui sont morts. Ouais, non, mais là. Je suis d'accord. C'est votre indignation à géométrie variable, là, King, que t'es en train de me ramener non, désolé. Allez, j'ai choisi cette vie, je suis voué à l'enfer. Que ça soit hein, le roi des racistes ou le roi du Wakanda qui me vend ma cam. Tant que je mange à ma faim. Eh les gars, regardez, c'est quoi le dernier mandat des flics du LSPD? Regardez, c'est quoi? C'est qui le mec? Faites du bien. Eux, Izzy, t'as appelé 10 fois, cousin. Et c'est ta meuf ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Skunk, c'est qui? C'est un gars de chez moi. Et Ashton? Un gars de chez moi aussi. Ok. Bref, j'ai parlé avec. Comment ça s'appelle? Avec Cooper là, il m'a dit qu'ils ont proposé même 1 million, mais il leur a dit juste vous passez pas votre camp par bateau. Ils ont refusé. C'est pas possible. C'est pas que l'IA ça. Réfléchis 5 minutes. Même là, il est en train de te mentir. C'est impossible. Oogie, il aurait accepté si c'était si facile que ça. Imaginons que ça soit vrai, comme Oogie là, comme tu dis, il t'a rien dit. T'as pas dit c'est quoi le sur quoi t'as dit? Mais Oogie, c'est un homme d'affaires, non, c'est non, pas non. Une petite tête, c'est pas un trou du cul, c'est impossible qu'il refuse pour ça. Oui, je suis pas au courant et c'est impossible qu'il ait pas accepté pour ça. Ça paraît logique, les gars. Mais tu prends même le plus trou du cul de mon gang ou de votre. Hein? Peut-être pas pour déclarer ce qui s'est passé, il va payer l'argent qu'il veut imposer sur le trafic. Il propose 1 million, ça fait que par pitié. Il vient de le dire. Bah oui, non, il n'est pas qu'il est bien con, c'est qu'il y a un problème dans l'histoire, tu vois. Témoins sont fondés. En fait, les gars, il est dedans, c'est mort, c'est le militant, il est anti-Nord. Putain, c'est fou, hein. Je pense, malheureusement, vous acceptez l'argent et vous posez pas trop de questions, les gars. Il te fait des cours de kung-fu. Bah normal, tu crois. Non, il fait pas des cours de kung-fu, non. Oui, t'apprends le tai-chi, alors. Non. Eh les gars, c'est qui le dernier mandat, les gars? On est 10, je sais pas combien. C'est qui? Mandat de recherche. Oui, mandat de recherche. La blonde là, il a écrit une meuf. Faites vite les gars. C'est la meuf à l'ancienne des. Laquelle? Des people, là, qu'elles avaient dit. C'est ça le dernier mandat là actuellement? Sur la Finn Vader, ouais. Sur la Finn Vader. Mais les gars, regardez même. Si je trouve, comment je vous pisse tous dessus. Sur truc là-bas là, sur truc là, oui, il y a en gros l'espace aérien fermé. Vous avez vu comment vous parlez, les gars creepy? Mais ça, on savait ça. Normal, c'est toutes mes salopes ici. C'est normal, c'est comme ça. Et toi, t'es trop dans le relation. C'est comme ça. Comme ça, tu vois, le CV, le plus arrogant du sud et du nord, c'est mon objet. Il m'appartient. Voilà. Mais j'ai les poches remplies parce que je vis pour l'argent. King, c'est où qu'on trouve les avis de recherche? Je suis pas flic, moi. Je sais pas que c'est. Bah, donne-moi un téléphone, je regarde. Donne-moi un téléphone, je regarde. T'es douanier, tu peux voir. T'es douanier. Ouais, c'est vrai, t'es dans la douane, toi. J'ai trouvé. Ah, t'as trouvé. Jack Abraham. Jack Abraham. Ouais. On a son numéro ou pas, les gars? Non. À moins que tu mets ton gilet jaune ou quoi. Putain. Non, c'est veille, Jean. T'étais confiant? Oui. Ok. Les gars, faut qu'on le pète. Il y a un délire de fils de pute là à faire là. Non, j'ai plus le tel. Ah, oh, je sais. Mais je me bats pour la cause afro. Tu vois, c'est qui Aiden? Ouais. Les cheveux longs. T'as son numéro? Ouais, je vais l'appeler. Appelle-le, demande-lui. Parce que dans les lacs de. En gros, les Yuzong, ils ont envoyé un message à King, ils ont dit 80k sur ce mec. Bah écoute, là j'ai trouvé le compte Life Invader de Jake Abraham. Ces 3 derniers likes, c'est les photos de Aiden, donc il doit sûrement le connaître.
Tu connais, on remonte, on est dans le stall, frérot. Non. On est dans le stall, frérot. Aiden répond, il répond pas, Aiden, sa mère. Essaye Diamond, il y a des likes de Diamond aussi. Ouais, allô. Bien quoi? T'inquiète pas, babe. Ouais, ça va. Attends, là, je suis avec une bitch, là, je vais péter les dents. Je viens voir, mais attends, hey, Diamond, tu peux me rendre un service ou pas? T'as le numéro de Jake Abraham? Ouais, j'ai compris. Le numéro okay. Jake Abraham. Ouais, bah quoi. Non, j'ai son numéro. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît? Non. Pourquoi? Très bien, pourquoi? Et pourquoi? Attends, vite fait, je suis au téléphone avec un gangster. Parce que ce petit enculé là, il a trahi le sud. Et moi j'ai pas envie de me mettre dans de la merde politique avec vos conneries. Non mais juste tu me donnes son numéro, moi je vais le parler, t'inquiète. Vas-y, c'est pas mon pote hein, la vie ma mère c'est pas mon pote hein, je vais lui baiser sa mère. Ok. Tu me mets dans la merde au nom de Dieu creepy. Arrête de jurer sur quelle mère tu me donnes un numéro, arrête de jurer. Je suis croyant moi, je suis croyant. Ah. Attention. Oui mais justement, t'as juré pour rien là, quelle mère tu mets? Vas-y. Parce que t'as, dans tous les cas, je vais aller la voir. C'est juste son pote, il me répond pas. Vas-y, t'es un bon. Je te dois un service. Attends. Je te dois un service là. Sur téléphone. Vas-y. Pour ça là. Vas-y, t'es un bon. Vas-y. Vas-y. Non, même quand je bossais pas avec eux, faisaient pas les malins que moi les rednecks. C'est parce qu'ils sentent de la faiblesse en toi. Quand tu. Non. T'as vu ma mère, ils font pas les malins que moi. J'ai d'imposer le respect, King. Non. King. Ce genre de news, moi. T'as reçu un message des Yuzang, je t'explique, hein, de toute façon, je suis resté avec nous là. T'as reçu un message des Yuzang, ils mettent 80k sur un mec. Mais le mec, on le connaît. Ça veut dire que, bah, on va faire le truc ensemble, hein, et après, tu vas nous donner les 80k. Hein? Bien compris. C'était très clair. Hein. On va faire le truc ensemble, et moi, je te donne 80k? On va t'escam, quoi. En gros, on va attraper le mec, tu vas le livrer aux Yuzang. Et on va prendre les 80k ensemble. Ah, okay. Main dans la main. Impeccable. J'ai le numéro du mec. J'espère qu'il me répond. Non mais il a trahi le sud. Mais je pense... Attends. Il est même pas quoi. Ni allô. Vous êtes devenu ma copine hein. Ouais. Que je vous appelle. Eh là je viens de. J'ai le téléphone de King, les Yuzang ils lui ont envoyé un message, ils lui ont dit on met 80 000 sur Jake Abraham. Et ce Jake Abraham, c'est l'ami du juge que vous avez eu là, White, là, je sais pas quoi. Mais je sais, c'est un traître, il est dans le nord. Ah vous l'avez? Buté. Ah vous l'avez fumé? Le buter, oui. Est-ce que vous pouvez pas me le donner ou pas? C'est possible? Non, fais. Écoutez, je vous explique. En gros, le service mes couilles, la secret, ils veulent, ils m'ont missionné pour trouver qui a kidnappé le juge dans le sud. Et moi, le j'ai envie de tenter un truc là avec ce Jake, avec les Yuzang, et leur refiler ça, tu vois. Ah, pour les. Mais je sais pas par quel moyen. Voilà, mais je. En gros, là, moi, j'ai envie que là, je les appelle. Je leur dis, écoutez, ce Jake, je l'ai. Et j'ai attrapé King, tout ça. Et moi, j'essaye de, voilà, entamer une petite relation avec eux. Mais... Ouais, c'est pas idiot du tout. C'est un début de plan, là. Bien trop, hein, en ce moment. Hein, non, moi, j'ai toujours réfléchi comme ça. Hein. Mon cerveau, c'est... Même moi, il me choque, hein, des fois. C'est la drogue, en fait. C'est la drogue. Oui, bah, écoutez, je me drogue pas, mais j'ai l'impression que je me vois plus jeune. Je pense que j'ai peut-être mis ma bite quelque part quand j'étais jeune, hein. Oh, je pense pas, hein. Moi je suis le fils à Benny, hein. On est jumeaux. Avec mon autre notre frère. Ah. Mais écoutez, moi... Comment ça s'appelle? Vous me le donnez? Il faut que je l'attrape, je sais qu'il est dans le nord, je vais mettre un peu de moyens, mais... Moi il y avait un autre truc en fait, c'est que je comptais... J'avais essayé de négocier avec le sud pour qu'il me livre ça de là, traite contre traite. Mais ils ne veulent pas. Ouais. Mais les traites, nous, peu importe de quel bord ils sont. Ouais, c'est ça, dans tous les cas, voilà, faut l'utiliser.
Bah essayez de voir, parce que moi je l'ai appelé, il répond pas. Donc essayez de voir, hein, vous me dites. Bon, je me renseigne, mais ça va être long, hein, je pense qu'il se perd. Dites-moi, si dans 5 minutes, vous m'avez pas rappelé, j'abandonne. Comme ça, quand il était petit, il a 15 ans de plus que toi. Les gars, notez ce numéro, 256-74, c'est le numéro du Woogie. 34 piges, l'ancien. 555 ou... 555, ouais. 256, j'ai dit combien? 256-74. On va attendre 5 minutes, s'il n'y a pas de truc, on va le relâcher, et puis voilà. Hein. Ah là là, Bub King, sans rancune, hein, là. Hein. Ouais, sans rancune, hein, sans rancune. Mais... Choisis le bon camp, tu vois. Nous, en tout cas, Narwhat, tu vois, on n'est pas dans un délire nord vs sud. Nous, on est dans le délire où... On est là où il y a de la maille, tu vois. Tu veux faire de la maille, tu nous dis. Et nous, on n'est pas des fils de pute. Hein. Je pense que si on appelle les Wuzang, on dit à Sony, tout ce que tu voulais faire et ce que tu as balance, enfin, ce que tu nous as dit, ils vont pas être contents. Mais on va pas le faire. Après, ça, c'est du business, frérot. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, mais quand même. Si ça serait resté en, bah, si ça serait resté en place, j'aurais baisé la mère à Sony, c'est logique. Mais là, au final, les gars, Sony, c'est le. Sony... Je ne tiens pas la bite à Sony. Sony, c'est le premier à. À retourner sa veste, alors il est bien malin celui-ci. Avec qui? Tout le monde. Chaque fois qu'il parle, je. Ça veut dire que là, si je te donne un truc, tu le fais. On le fait ou pas, les gars? Je vais pas bosser pour toi. Il va jamais faire, ils sont. Il va jamais faire. Je vais pas bosser pour toi. Je pense pas. C'est pas bosser. Ah là, maintenant, tu me dis de faire un truc. Non, c'est pas. T'es pas mon petit, mais en mode donnant. C'est simple. Je le dis ou pas, les gars, je sais pas. Au moins, il va pas le faire. Oui, vas-y, mais est-ce que je le dis? Parce qu'en fait, vas-y qu'il le fasse pas, vas-y, mais s'il balance. Il va prévenir. Ouais, il va balancer. C'est obligé. C'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. L'ancien, 34 ans, attends. Donc, quand il attrape le truc, il va balancer. 100K. Il va balancer. En fait, le truc, c'est que. Eh, nique sa mère, dis-lui. Nique sa mère. Pour les Crimson, c'est baiser. Hein. Non, c'est pas baiser. Premier arrivé, premier servi. Ouais, bah ça. Faut juste dire. Ah, mais lui, à tout moment, il va voir Sony, frère. Il lui dit. Ouais, bah dans tous les cas, Sony, il sait très bien qu'on est sur ses côtes. Donc, vas-y. Regarde, fais ce que tu veux, mais moi, t'as moi, je. Pour moi, je l'aurais pas dit. Mais vas-y, on dit pas, on dit pas. Allez, creepy, dis-moi. Non, je vais te dire. Je me fais pas confiance, creepy, ou quoi? Les blacks d'un côté et les white de l'autre. On fait, c'est pas qu'on. Non, on fera jamais confiance. C'est juste, je sais que c'est évident, tu as balance. Bon, vas-y, les gars, levez vos mains, je suis avec mon gang maintenant, c'est bon? Ouais, Wakanda! Bien fait. BLM. Ah. Putain. C'est ça que les afros, t'as pas remarqué que les afros, en fait, vous pouvez pas être. D'un quartier, c'est pas possible. Oh lolo, creepy. Bon, on fait quoi, creepy? Vas-y, c'est bon, je suis quelqu'un dans la voiture. On demande dans la bûche, tu me donnes un Glock. T'as vu lui, il rentre chez lui, il se met tout nu, il appelle Sony et Woogie, ils font des trucs dégueulasses. T'as pas envie d'imaginer, mon gars, t'as pas envie de savoir, tu vas faire des cauchemars et dire laisse tomber. Il est bien dans sa petite million là. Ouais, creepy, alors, ouais. Dis-moi, pour les 400 de pur, là. Ouais. Bah, là, j'ai entendu dire que c'est un peu plus ouvert, là, à la frontière, mais... Ouais. Ça reste chaud un peu, mais je te rappelle, je finis, je vois, là, j'ai King, là. J'ai King, je suis en train de le baffer, là. Entre tes mains? Ouais. Tu le veux? Le King? Ouais. Pas moi, mais chez Cooper, ça pourrait l'intéresser de fou. J'ai déjà branché Cooper, non. Tu veux pas? Ouais. Mais toi, King, tu veux, parce que ils avaient pas braqué, je sais pas quoi, camion vide, tu m'avais dit? Une voiture. Ils ont braqué ces camions vides, mais ils nous ont dit qu'ils voulaient pas s'en prendre à nous. Restez cachés. Qui voulait taper? C'était plutôt. Hein? Vous qui voulez taper ça là? Monte, creepy, y'a des gens, monte. C'est ce qui m'a fait comprendre, en tout cas, King, il m'a dit désolé, on pensait pas que c'était vous qui en partez, mais c'était pas vous qu'on voulait taper, c'était plutôt les personnes qui étaient à ma place, les gars. Mais y'avait qui avec eux? Y'avait les PDS avec eux. Pour les PDS, ils avaient fait ça. Ah, ok. Vas-y. Bah vas-y, je vais voir. Je te rappelle. Viens, monte.
Y'a quoi? Je sais pas, une voiture qui est passée, c'est parti voir. À droite. Je crois que c'est une usine ici, les gars. C'était pas celle-là, c'était une autre. Allô, les voisins. Il y a un monde où dans 5 minutes je sais si je l'ai ou pas. Bah ok, mais je patiente. Ouais. Vas-y, on a 5 minutes à attendre encore. Et ma voiture qui me l'encule tous. On s'en bat les couilles de la voiture là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah là là, quelle vie. Et si on arrive à faire les 80K, je t'en donne 10. Ça te va, King? Non, j'ai pas d'argent. Ah, okay. Tu me laisses en vie, c'est tout. Ah, King, oh, bah, on va pas te tuer là, on va rien te faire. Ah, King, j'ai une question sincère. Attends, une seconde, boss. J'ai une question sincère, King. Ouais. Est-ce que vous vous protégez quand vous faites des trucs bizarres ou genre c'est pas la blanche direct? Est-ce qu'on se quoi? Quoi? Protéger. Avec qui? Sony et Woogie. Non, grave pas, mais non, justement, vous êtes celle-là. Oh là là, oh là là. T'as pas de capuchon. T'as un soldat, toi. Non, c'était grave drôle. Mais moi, je pensais que tu parlais de trucs sérieux, vas-y, descends. Mais oui, et je parle d'affaires, et il me parle de trucs bizarres, lui, là. Allô. T'es vraiment louche, ouais, je pense il à ça. Il est toi. Putain, ok. Ok. T'es corrompu, c'est le mec. Hein. Il est le diable incarné, carrément. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon. Vas-y, on s'est annulé finalement. Attends. Oh lolo, moi je vais devoir te donner de l'argent, c'est ça? Non, bah non. Non, on est pas. Y'a pas d'embrouille là. Attends. Mais vas-y. Non, ton garde du corps, il est venu. Viens, monte. Mais qui? Non. Alors, il se pousse. Ouais, t'inquiète. Ton peu chevalier. Prévenez. Comment les autres. Non, par contre, si mes gars ils viennent, donnez-moi le téléphone, je leur ai dit qu'ils se barrent, hein, vraiment. Non, c'est pas tes gars, c'est. Y'a rien. C'est rien. Ton gars. Ah. Et Woogie, il est là? Que je l'appelle, il répond pas. Oui, il est là, normalement. Il dit à son mec de l'appeler pour voir. Je l'appelle avec le numéro de son mec là, c'est pas ça. Allo. De quoi le STX? De quoi tu m'as dit quoi? Oui, vas-y, dis-moi, vite. Y'a quoi? Au téléphone, il t'a dit quoi? Oh, devil! Ouais, je pensais que tu parlais au téléphone. Non, je parle à toi. Il a coupé. Mais ils sont derrière nous là. Ok. Oh, allô? Laissez-moi tranquille, s'il te plaît. Non, allô, c'est creepy. Comment tu vas, mon ami? Est-ce que t'as encore borné, creepy? T'en as pas marre? Non, ces petites embrouilles de rue avec King, hein, c'est. Enfin, on a consommé de la substance plutôt très très dure, et du coup, tu connais, on perd nos téléphones, on se les échange. Et j'ai vu ton petit message. Y a que moi qui peux l'avoir. Ça, y'a que toi qui peux l'avoir. Ben, impossible que tu l'auras pas et personne l'aura. Y'a que moi qui peux l'avoir. Mon seuil de confiance avec toi est à 0%. Ouais, rien à foutre, moi, tu prends les mesures que tu veux, rien à foutre. Tant que j'ai mon argent, j'en ai rien à foutre, moi. Tu fais ce que tu veux. Et en tous les cas, c'est soit ça, soit tu l'auras jamais. Ok. On se tient au courant demain soir. Eh, hey, allô. Ouais, calez-vous un là, endroit. Là, il dort, le mec. C'est demain. Vas-y. Toi, ça me fait chier. Ouais. Attends. T'es un gars efficace et tu pourrais faire de l'oseille avec toi. Attends, double raccroche, vite fait. Attends, vite fait. Oui, dis-moi. Il faudra m'expliquer pourquoi tu préfères sucer la bite de Copperfield que la mienne, parce qu'au final, tu te ferais autant d'argent avec moi qu'avec lui. Ta bite, elle est petite, déjà, de 1. Et je suce aucune bite. Et moi, je suis là où il y a de l'argent. Et avec vous, il n'y avait pas d'argent. C'est tout. Hein.
Et je vois bien, je vois bien, il y a des rumeurs, vous proposez des 1500 par semaine, au final il n'y a rien. Donc moi je marche avec des... je marche avec personne, hein, même avec lui, je marche pas, moi je suis juste... j'ai de la substance, quoi. Et on m'en donne qu'à moi, et moi j'aime bien quand on donne qu'à moi. Je vous ai déjà dit, vous avez été clair, vous m'avez dit que non, vous achetez, enfin, vous vendez à tout le monde, etc., je sais pas quoi. Ben voilà, c'est vos choix. Au final, moi je sais que les personnes qui bossent avec tout le monde ne sont pas fiables. Et regarde là où vous en êtes, hein. Mais qui t'a dit que je bossais avec tout le monde? Bah, tout le sud. Après, si tu veux, regarde. Demain, on fait le truc, on en discutera. Ok. Vas-y. Vas-y, on fait ça demain. Ouais. Putain, tu le suces pas assez, King, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas, hein, là, et à peine je lui ai parlé, il m'a... Mais il me repropose du bise un peu. Bah, accepte, écoute. Oogie, je veux pas qu'il bosse qu'avec moi, hein. J'en ai rien à foutre. Non, j'ai pas. Je sais pas, moi je suis là où il y a de la maille, hein. Tu vois, quand tu vois une cargaison et que tu reconnais un mec de Watts, dès que c'est nous, t'as vu, tu laisses passer. Ok, je laisserai passer, les gars. Ah ouais, et comment je dois te croire? Ah bah, je peux pas. C'est-à-dire qu'on doit passer un accord sur ça. Une petite manchette là, sinon. Tu vas me frapper, c'est mec. Vas-y, bouge. Mon téléphone. Je l'ai dans le coffre, dans le coffre. Vas-y, prends-le, King, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, King, on va se brancher. Va à la pause, va à la pause. C'est où la pause? Dites-moi, c'est où, pour ça je gagne du temps. Attends, je suis en train d'écrire un message. Regarde ça, vite. Allô? C'est comment? Vous m'avez missionné sur des mecs, ça fait 4 heures. Attends, je te rappelle, si je raccroche, c'est que je suis occupé. Attends, je te rappelle, vas-y, vas-y. C'est en bas du quartier. Au sud du quartier. Merci Savage, c'est ta pute. On fait quoi? On leur fait boulot ou qu'est-ce qui s'est pas? Mais comment ils se sont fait péter ces trous de balles là? Ah, des trous de balles, et là, tu connais, on a une équipe de jeunes. Kidnappeurs! De jeunes. De rap! Dis-leur qu'ils les séparent, dis-leur qu'ils les séparent. Ouais. Jamais. Ah, mais c'est déjà fait! C'est fou! C'est déjà fait, t'as vu, y'a rien. Y'a déjà Big Web sur les lieux, hein, c'est carré, hein, déjà. C'est ça, le Big G. Jeune ambitieux, parfois vicieux. Accorda. Mais non, pas toi! Check. Pas toi! Fils de pute. Ouais, t'es vraiment pas dans le bon fils de non, pute de merdeux. C'est vrai quoi, Benny? Et ouais, comment, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Je te claque la bise ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On les attrape? Ouais. On sort de l'endroit où on était, on les croit sur le côté, ils voulaient manger Sony, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Bref, regarde, Ghost Dog loue la semaine à Vinewood. 25k pour Vinewood, 25k c'est un gros suceur de bite là. Oh lolo. Et Yagi avait 25 sur lui, je lui ai pris. Bon, en vrai, 25 000 on verra. Oui, je les ai sur moi, donc on verra si je lui rends. Mais pas, comment vous avez braqué? Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé, on l'a vu, on est descendu. Salut frérot, tu me reconnais, lève les mains. Moi, des fils de pute, moi je vous ai dit de péter les têtes, mais bon, c'est bien. Mais gros, oui, mais. C'est oui, poussé, oui, sa mère, vous les croisez. Oui. Voilà, c'était comme ça. Putain. Non. T'es une petite merde, hein. Eh, hey, t'avais 25k, c'était pourquoi t'avais les 25k? Non, j'ai dit à ton gars, mais là, j'ai dit. C'était la. T'as le droit de répéter. La paye. Hein. La paye de Venou. Ah ouais, attends. Ouais, allô. Ouais. T'as fait quoi là, il y a 10 minutes là, 10-15 minutes? Il y a 10 minutes de quoi? T'as fait quoi? T'étais où? Il y a 10 minutes. J'étais avec ton ref, Et vous avez parlé de quoi? Vas-y, il est en train de me soupçonner là. C'est-à-dire, je suis en train de trouver la poucave là qui est parti dire ça. C'est tout? Parce qu'on vous a vu en train de parler. Vous avez rien fait? Non, lui là de base, il y a une semaine là, il m'avait passé Vinewood. Je suis passé lui passer les sous, c'est pour ça. Ah. T'as vu, tu m'aurais menti, comme moi je t'aurais baisé, Ghost Dog. C'est moi, en tout cas, c'est moi je te baise. Bien vu pour les 25 000, parce que moi je l'ai attrapé là. J'ai ces 25, j'étais 25. Comment ça, t'as attrapé quoi? J'ai attrapé Sony et tout ça. Non, oh, c'est toi qui as grillé l'argent. Ouais, là j'ai les 25 là. T'es rent, t'es un bavon, rent. Compte quoi? Tout cousin. Mais compte quoi? Compte quoi? Comment ça compte quoi? Rends les sous, compte ma loyauté. Et là t'as voyé nous pendant combien de temps? Non, c'est fini justement, j'ai terminé là-bas. Et c'est 25 000 semaines, il loue Vinewood. Non, c'était 50. À 25 début, 25 fin.
Allez. Je vais le dire à Cooper, ça. Mais non, mais de quoi tu parles, cousin? Putain, cousin. Bah, mais, ramène-moi Jika, sinon la tête de ma mère, je lui dis. M'en bats les couilles. Mais Jika, Jika, sinon je lui dis. C'est Jika, sinon je lui dis. Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Eh. C'est viens. En gros, ils ont payé 50k Vinewood. Ils ont donné 25 au début et là 25. Comment ça, Vinewood? Vinewood en gros, il... Ghost Dog. Ah ouais. Ah. Mais là, on fait quoi? Je sais pas, apparemment, il y a d'autres mecs à eux, mais ils tombent dans une autre voiture. Je suis en train de voir là, je vais demander à qui exactement. Bon, bah, les couilles, on va pas péter les autres. Je veux le Zac, cousin, le canne, fils de pute. Ouais, mais vas-y là. Bref, ben je sais pas, vois avec ton frère. Hein, moi pour veux. Moi, regarde, il y a combien de pétards là? Il y a deux pétards. Son frère aussi. Non, on prend les. Non, on prend les trois pétards. Et ouais. on est très bien là. Moi je pensais qu'ils avaient que Sony. On a trois pétards. On prend trois pétards. On leur baise leur mère. On en pétarde un. Trois pétards, c'est on est égal. Si ouais. Trois pétards. Et voilà. Viens, on les réunit. On a trois pétards. Je prends son téléphone. Juste attends, ouais, fouille les téléphones. Là, on est en train de fouiller nous aussi de notre côté. Merci des conseils, Goku, merci des conseils. Mais là, c'est quoi le bail, là? C'est quoi? Mes petits te baisent comme ça si facilement ici. Non, bien. Bien honteux. Faut voir, envoie ton téléphone, là. Envoie ton téléphone. Mais c'est quoi le bail, là, les gars? C'est quoi? Envoie le téléphone. Ça, c'est quoi le bail? On est potes, nous? Envoie ton téléphone, là. Il est là, il est porté. C'est lequel? Putain, je fouille. Continue à parler, continue à créer. Wesh. Non, c'est... Non. Est-ce que moi tu vois des trucs conscients ou pas? Je sais pas, non. Attends, merde. Y a rien d'intéressant. Hein. Mais j'ai regardé les gars, oui. J'ai regardé, ouais. Le 10, frère, c'était à 1 million de temps. Et Reyes, c'est une pause, mais je sais pas pourquoi, c'est quoi. Qui c'est ça? C'est notre pause. Oui, mais 23h les gars, 23h on n'était pas là, 23h. 23h on n'était pas là, 23h les gars. On n'était pas là à 23h. Starfall là, ça m'a fait mal au bout. Allô? Tu te fous de ma gueule? Non, je suis avec tous tes collaborateurs là, on dirait, hein. Sans le vouloir carrément. Oh putain, ouais. Et tu sais que quand ça a sonné, je me suis dit, me dis pas que c'est. Oui, ouais. Non, c'est. Écoute, parce que mon téléphone, je l'ai perdu là, putain, c'est pour ça. Oui, mais bah, t'arrêtes de prendre celui de ton frère. Dès là, demain, du coup, demain, c'est bon? On se fixe ça? Ton gars, je vais l'avoir.
Et je suis le seul hein, à pouvoir la voir. Tu te doutes bien pourquoi. Non, pourquoi? Ouais. Bah, attends vite fait, je te téléphone. Okay, okay. Bah, parce qu'il est réfugié dans le nord. Et alors? Et que tu pourras jamais l'attraper parce qu'il est pas, il est plus que réfugié. Mais comment ça plus que réfugié? T'es protégé par le nord? Oh là là, là t'en demandes beaucoup trop. Hein. C'est vrai que demain je suis pas là. Pour ça, j'en demande beaucoup trop. Mais tu me dis que c'est impossible que je l'ai autrement, mais j'en doute. Bah vas-y. Regarde, carrément, je te laisse 48 heures. Si tu mais si tu me le. Hey, creepy, tu me le ramènes en premier, je te paye. Je suis pas. Bah, vas-y, vas-y, bah, maintenant ok. Bah, sais les termes du contrat, tu le connais. Vas-y, 80K, vas-y. Bah on se tient au courant. Ouais. Vas-y. Mais si, on prend. Juste... Vas-y. Écrit. Allô. Allô. Eh, bouge, ouais. bouge douté. Ils t'ont vu. J'ai pété Sony dans son téléphone, ça a dit ça. Bouge. Eh, moi, il y avait tous les mecs de Sony là à côté de moi, ils sont place des cubes. J'allais les péter, mais ils sont venus à 8000. Ouais, bouge. Bien vu, t'es bon. Vas-y. Ouais. Je... tu veux prendre. Il a proposé un vrai truc là. Tu veux faire quoi là? Les gars, son téléphone, c'est quoi? C'est quoi son numéro, s'il vous plaît? Dites-moi. À qui? Attends. À Sony? Ouais, allô. Attends, je te le... Oh, allô. Ouais. Putain, mais t'as essayé de m'appeler avec ce numéro aussi, tu m'emmerdes. Mais non, ça c'est le mien par contre. Ah, ok, vas-y. C'est qui? Bah c'est Creepy. 24-008. Vas-y. 24-008. Ok, tenez, je vous le donne comme ça, je vas-y, c'est bon, je l'ai. Dis-moi, tu veux faire quoi là? Moi j'ai un truc, dis-moi juste, tu veux faire quoi toi? Il voulait prendre les trois calibres et c'est tout. Ok, regarde. Ouais, dis-moi. Ils ont trois calibres là, eux là. Ouais, moi, je les aime pas. Ouais. Regarde, d'ailleurs, on prend les trois calibres, juste, t'as vu là. Pour essayer de, entre guillemets, rentrer dans la tête à Benny, lui faire croire que t'as vu là, on va le tuer lui. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que t'as vu, on va pas le tuer. On va arriver, t'as vu, on va arriver dans sa tête. Écoute, t'as vu là. Là, on a pris nos décisions, t'as vu, c'est acté, on va te tuer toi. À moins que, t'as vu là, si dans les prochains jours, tu nous ramènes pas Zach, on va te fumer toi. Ouais, bah ça, on peut toujours le faire, vas-y. Mais attends, il faut bien le manipuler, vas-y, sa grand-mère. Viens, je vais le faire, ouais, t'as raison, vas-y. Vas-y. Eh, Benny, c'est la merde pour toi, hein, frérot. Ouais. Enfin, je t'explique. Il y a eu combien de morts de notre côté, là? Deux. Comment ça, deux? Emi d'ici, non? Emi d'ici, mais Jersey aussi, il compte, parce que... Bah, il était chez nous, vous l'avez pris. Donc, c'est comme si vous avez... Tu es un no gars, tu vois, ouais, vous avez pris un no gars. Sony. Et... Bref, dans tous les cas, il y a eu deux morts. Vas-y, on va dire deux morts. Nous, on en a eu combien de votre côté? Et même d'ici. Enfin, bref, on en a eu combien de votre côté? Je dirais un. Qui? À Jersey. Ouais. Et du coup, il en manque combien? Pour le calcul, je l'ai fait assez rapidement. Il en manque un, là. Ah, t'es bon, quoi. T'es très bon en arithmétique. Et là, mais... parmi les trois, c'est lequel qui a le plus de chances de mourir? Yagi, non, c'est Yagi, je crois. Non, plus sérieusement. Un peu de lucidité. En direct, les portes sont marquées sur moi, les gars, j'ai l'impression, là. Ouais. Parce que lui, là-bas, ouais, ça, on va pas le fumer. L'autre, c'est son second. Et eux-mêmes, ils l'ont dit, ouais, c'est mort. Donc, Benny, c'est toi qui vas y passer. Mais les gars, attendez. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, m'en bats les couilles. Toko, Juice, ça, venez. Allez voir Sony et demandez-lui c'est lequel son second. Bah, ouais, Toko, Juice, venez. Bah, c'est ce que ça vient de dire, là, on dirait. Hein. Genre là, c'est là, carrément Sony, ce que ça vient de dire. Mais là, ça vient de dire, en gros, que c'est toi qui est le moins, là. Le moins influent chez vous, c'est toi. C'est Sony qui a dit ça, là? Ouais, les deux nous ont dit ça. Bah, de vous trois, quoi. Regarde, je vais vérifier carrément, attends. Est-ce qui est le plus important, c'est toi ou Sony ou Benny? Bon, ma mère, ça c'est mon dernier bras droit, c'était moi. Hein. Mais bon, c'est, je sais pas, moi et Benny, c'est pas la même chose. Bref, bah viens lui dire en face. Le dernier bras droit, c'est toi. Viens lui dire. Non mais. Mais viens, cousin, perds pas tes couilles. Moi, je m'en bats les. Non mais y a pas de problème. Tu vois, c'est.
Bref, bon, je répète la question devant vous deux. C'est qui le bras droit? Tu m'as dit quoi, Yagi, là, à l'instant? Là, actuellement, il n'y a pas de vrai bras droit. Perds pas tes couilles parce que je t'ai ramené devant lui, tu m'as dit non, quoi? Non, non, non. Le dernier bras droit, répète. Tu vois, dans... voilà. Avec son... Le dernier bras droit, c'était moi, tu vois. Mais voilà, ok. Donc le dernier, c'est toi. Oui, mais aux dernières nouvelles, c'est toi. Non, mais là, pour l'instant, les gars, il y a personne. Pour l'instant, il y en a aucun des deux, tu vois, ni moi, ni Benny. C'est qui le plus influent de vous? On est au même grade, justement, pas moi et Benny, on est exactement au même grade. Les gars, va falloir faire un choix, je vous explique, parce qu'il y a un de vous deux qui va y passer, les gars. C'est-à-dire, faites un choix. Et déjà, les gars, c'est qui s'handicape après le plus, la mort d'un de vous deux? C'est qui s'handicape après le plus vis-à-vis de Sony? Je sais pas, les gars, c'est pas à nous qu'il faut demander ça. Mais de ma mère, c'est à Sony de prendre des décisions, les gars, par rapport à ça. Non, mais on lui a déjà demandé, là, donner sa réponse. C'est quoi la réponse? Et on te l'a déjà dit, Benny. Du coup, moi, je peux savoir. Non, c'est à toi de parler, vraiment, de dire la vérité, c'est tout. Les gars, il l'a déjà dit. Et tu l'as déjà dit, quand je suis venu là-bas, je t'ai posé la question, t'as répondu direct. Hein. Et là, maintenant... Il a dit quoi là-bas? Il a dit quoi là-bas? Bah, la même phrase, il a direct dit, ouais, aux dernières nouvelles, c'est moi le dernier bras droit. Non, le dernier... Voilà. Expérience. Le dernier bras droit, c'était moi, mais comme je dis, là, actuellement, c'était ni moi, ni moi. Après tu les mettras deux, là ils vont juste faire cramer. Oui, mais dans tous les cas, non, en tout cas c'est... Mais non, parce que là l'autre, t'as vu, si on focus qu'un mec, un truc qui m'a tué, l'autre va juste balancer, il va juste balancer un sonnier. On va faire un truc, je sais pas. À moins que t'as vu, on retourne le cerveau des deux, mais là c'est encore plus impossible. Vas-y. Ah, mais là, Yagi, c'est comment là? Vas-y, Yagi, repars là-bas, dernière nouvelle, c'est toi, on va pas faire 10 ans, vas-y, va là-bas, là. Vas-y, ramenez-le là-bas. Viens. Et il a juste changé son discours, hein, justement, pas Benny. Mais il a rien. Lui, mais il a pas changé, non, faut dire la vérité. Non, mais là, il assumait moins, t'as vu. Mais en gros, moi, je l'ai posé, il m'a direct dit aux dernières nouvelles, c'est moi. C'est ça. Donc, c'est lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Les gars, moi, vous savez très bien. Est-ce que vous voulez savoir? Je sais pas, les gars. Si je dois en sucer un, j'en suis un, là. C'est quoi là? Faire ça, en tout cas, c'est un truc de demander à Sony, va cramer. C'est juste temps. T'es long dedans, là. Faut passer par là, les gars, c'est... Non, mais à part sucer, tu sais pas faire quoi. Les gars, j'ai pas plus d'idées que ça, là. De toute façon, si vous me laissez en vie après ce truc-là, là, ils vont se méfier d'un truc, c'est ça, fils des putes. Je veux bien que c'est pas des... Moi, tout ce que je vois, t'as vu. Et qui a 3K c'est dans son compte perso? Je dois avoir ça, tu j'envoie avec. Ouais, si je depuis 186 3K. Moi, tout ce que je vois, Benny, hein, c'est que les deux ils ont pas hésité, t'as vu, une seule seconde. Quand il a fallu en choisir un, le même nom là qui a sorti des deux bouches, c'était le tien, frérot. Ouais, mais bon. comme je t'ai dit, t'as vu c'est pourquoi Yagi il est plus second à l'heure actuelle, c'est à cause de moi. Parce que t'as fait quoi? Dis-lui, c'est bon. Ouais. Le jour où Kim ça lui a connu sa mère la pute là. Kim ce jour-là il a balancé à Sony que moi et c'est Yagi on était au courant qu'il voulait livrer un des deux noirs. Ouais. Et moi j'ai assumé devant Sony et j'ai dit que à Sony que t'as vu Yagi il était au courant aussi. Yagi était au courant. Et j'ai réussi à faire en sorte que t'as vu Sony le rétrograde, sa fils de pute, que je sois pas le seul mec. Et au moment où Kim il l'a ramené, vous étiez au courant aussi? Ouais. Qu'en gros, il l'a ramené sur ce pas moment. Le jour même, pas le jour même, on savait qu'il... Et du coup, le deuxième, tu le ramènes quand là, frérot? Je sais pas, mais il va me falloir du temps, les gars. Déjà que en fait, depuis ce truc là avec Kim, je suis sur la sellette, t'as vu? Il m'a dit que la moindre truc, Sony m'a prévenu que le moindre truc, le moindre mouvement, le moindre pas. De travers que je faisais, il me comment c'est toi qui pète sur la sellette alors que c'est Yagi qui était au courant? Parce que moi et Yagi on était au courant. Et moi, non, mais Yagi était au courant le jour même, je te dis. Kim l'a prévenu. C'est Kim qui m'a envoyé la pause pour attraper d'ici. D'accord? Mais Yagi est au courant, j'ai vu les messages de Kim. Ça fait. Frérot, t'as eu, méfie-toi de avec qui tu traînes. Pour moi, il vaut jamais, il y a aucun d'eux qui va trahir, ça sert à rien. Combien de gens on a dit cette phrase, les gars? Un bon nombre. Le résultat est toujours le même.
Les gens se rendent compte que quand ils sont face au canon. J'ai 20 subs. Je suis embêté là. Eh, Sony, j'aurais vu. T'as justement pas. Hein. J'aurais préféré que Sony me dise que c'est dans le second et qu'on fasse fils de pute de Yaki. Hein. Ah, mais ça, elle de bonne. Aynamer, c'est elle. Aynamer, c'est cette vie là, t'as vu. Bon, allez, écoute. Les gars, j'ai. Même sur le truc de livrer l'ancien fils de pute de DC, j'ai jamais dit à Kim non, le bref, tout ça. Eh, hey, lève tes mains là. Envoie ton pétard. Envoie-le. Pourquoi je peux pas? Bien. Fils de pute, va. Mais. Crippy, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, de quoi? S'il te plaît, de quoi? Arrête. S'il te plaît, de. Ah ouais, je crois que ça, c'est le destin. Non, la reprenez la discussion. Reprenez. Ça, c'est le destin. C'est ok. Vas-y, du non, coup. Non, ça c'est le destin. Ça sent-tu le vent de la lame ou quoi? Ok. Vas-y, je voulais gérer, les gars. Risque bien vu. Je sais pas comment c'était quand. La pétale reste à dire. La veille, bah, il y a quelqu'un qui est passé, il a tiré sur DC, c'est pareil, au 7. Un mec de chez nous? Ah, un mec de chez moi. C'est comment la cam, la dure, tout ça? Vous achetez à qui? On n'a plus de cam, la vie de ma mère. Ni de coke, ni de... C'est-à-dire vous avez plus d'argent, c'est la merde. C'est la merde. Pourquoi il nous a pas dit ça, Benny, frérot? J'ai envie de te dire... Bah, la vie de ma mère, dans mon... Non, il t'a dit exactement la même chose. Envoie ton pétard, tout ça fait. Ça fait très très longtemps, on n'a pas touché de cam. Ah ouais, hein. Les affaires vont mal, hein. Ils vont mal, les gars. Y'a un qui va. C'est pour ça que vous faites à 25 le terrain, c'est ça? C'est dur, Mélan, c'est dur, tu te mens pas. Les temps sont durs. Aïe. Quelle vie. C'est la vie qu'on a décidé de choisir, hein, Mélan. C'est comme ça, y'a des hauts et des bas, je te dis. Donnez-moi une punchline là, j'ai une photo à mettre là, Life Invader. Désolé, j'en ai aucune. J'y mets quoi? Tu veux sur quoi? Ah, je fais le mec, il a. Il y a des punchlines là, ouais. Je rêve. Ah ouais, t'as vu? Vas-y, bah les couilles. Bah, fouillez son téléphone, à lui. Je l'ai pas pris, gros. Fouillez son téléphone, au cas où. Voilà, y a... Ouais, je vais proposer. Ouais, j'écoute, ouais. Hey, j'ai Sony, tu le veux ou pas? Non. Ok. Vas-y, je te rappelle dès que j'ai fini. Ok, attends, tu vas lui faire quoi là? Lui baiser sa mère. Ah, je vais c'est le niquer. Ton frère. Et alors? Si tu baisses sa mère, tu baisses ta mère. Oui, t'as compris, façon de parler. Hey. Ok, je vais réfléchir, parce que là d'un coup je me sens bricoleur, je te rappelle. Vas-y. Attends, j'ai pas demandé. Hey, les AOD, c'est comment? De quoi? Les AOD. Pourquoi ils vont d'avoir une hoodie? Les AOD. On leur avait prêté le terrain vite fait, je crois, une petite. Pour combien? Pour combien? 25 000 aussi. 25 000? Non, d'ailleurs, sur ça, Sony m'a menti, hein. Il a baissé le prix. Il lui dit que 20, Sony. Je sais pas, moi les autres on leur loue à 25 000, après les AOD, je ne sais pas. Ah, tu sais que c'est 25 000. On leur loue le terrain, ils nous payent. Ouais, normalement c'est 25 000 peut-être. Ah si, normalement, oui. Ok. C'est pas plus que ça. Allô? Monsieur Lardan. Ouais, j'ai Sony, tu le veux? C'est pas moi, Sony. Hein? Si tu veux que je sais pas, je demande au cas où, je demande. Il a pas d'ennemis ou quoi? Ils sont tous contre le Nord, mais pourquoi il... Mais Lodge, il veut pas. Cooper, il veut pas aussi. Ah bah, au bout d'un moment, ils sont contre le Nord. Écoute, attends, qui est-ce qui l'a emmerdé dans le Nord? Bah vas-y, on voit, non, on va être pas. Si t'as les Italiens, ça m'intéresse. Ouais, t'inquiète, je te tiens au courant, ça. Qui m'a dit qu'elle est net. Ouais. Vas-y. Baisse-lui, ça, ton frère. Ouais, ce que je vais faire. Vas-y.
On en fait quoi, cousin? On en fait quoi? T'as pris son pétard à l'autre? À qui? À... Ah ouais. À ce... Je prends? Ouais, bah oui, on prend les trois pétards. Vas-y, vas-y, c'est bon. Vas-y. Allô? Ouais. Oui. Y a ton ami. Et t'as... Qu'est-ce que t'as pas compris en fait? Tu le reconnais ou quoi? Ça est... Ramène-moi 20 000 ou je le tue. Bah tue-le. Bah mais... Ah bon? Quoi? Ah ouais, tu veux combien? Tu sauves pas la vie de ton frère. Tu veux 20 000? Vas-y, je te ramène 20 000, creepy. Non mais, c'est Sony, hein. Moi c'était une blague, mais vas-y, ok, vas-y, vas-y. Oui, je vais te ramener 20 000, oui. Pour de vrai ou tu rigoles? Envoie-moi l'adresse, creepy, envoie-moi l'adresse. Pour de vrai? Ouais. Vas-y. Rigole. Putain. Ouais, ok. Bah, vas-y, tu hein. Tu veux quoi? Et quoi? Tu vas faire quoi avec, là? Tu vas le tuer? Non, je vais lui faire un boulot, hein. Non, tue-le. Arrête, tue-le. Il mérite. Non, il mérite pas. Eh, pour combien tu viens et tu lui mets un regarde coup de... Regarde un peu à gauche. Écoute, eh, je te passe 50k, ouais. La vie de ma mère, 50k, tu viens, tu lui mets un coup de couteau. Ouais, toi, tu me prends vraiment pour une pute, creepy, hein. Et je suis pas comme toi, t'es déjà accepté pas les trucs pour avoir de l'argent. Vas-y, nique ta mère, tu m'as saoulé. Ouais, nique. Ah. Attends, j'ai travaillé l'autre. Pour faire du sale. Eh les gars, j'ai appelé tout le monde, personne les veut, cousin, personne. Viens voir. Ouais. Et moi j'ai envie de le tenter, Ben. Ouais, vas-y, ben on a. Écoute, on prend quand même les trois armes. Parce que là, le Yagi il va se douter. Si on le laisse partir, le Benny, il va se douter d'un truc. T'as vu, donc on va quand même prendre les trois armes en mode de, voilà, c'est votre punition, c'est les trois armes. Ouais. Benny, je lui ai dit, t'as vu. Là, je te demande pas de le faire ça demain, après-demain ou quoi. Prends ton temps, fais ça judicieusement, fais ça de manière à pas te faire cramer. Ouais. Tu nous envoies une pause de jour où t'estimes que voilà, le Zach il est vulnérable et on peut l'attraper. Et voilà. Et lui, à côté de ça, lui, il veut pas switch ça, t'as vu, il veut rester dans son quartier, il veut juste livrer ça, et c'est tout. Ils ont crash? Oui, Bobo, ça va prendre un autre tournant. Et ma mère, ça va prendre un autre tournant. Voilà. Qu'est-ce qu'il va prendre comme tournant, quoi? Il comprend pas pourquoi tu as pris 3 calibres. Non, je comprends pas. T'as pris tous les calibres que t'as pris, t'as tué des mecs, Vous avez pris combien de calibres? Vous avez pris combien de calibres? Combien? Faites le compte, ça fait combien? Et combien ils nous ont pris de calibres? 2-3, un truc comme ça. Ah ok. Ah ok, de quoi? Faites les gars, en fait, c'est... Ah ok. Ça va très très bien, t'as vu? Combien de calibres? 3 calibres, 25 000 $, les gars, tranquille. Et puis, avant qu'on prenne son calibre, il m'a dit à partir d'aujourd'hui, ça va prendre un autre tournant. Et là, je pose juste la question, c'est quoi le tournant? Ouais, c'est quoi? Vas-y, parle. Pourquoi tu l'as dit ou pas? Pourquoi je suis là? C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? C'est quel tournant ça va prendre? Bah parle, quel tournant? Je vais vous niquer vos grands-mères, les gars, t'as vu? Si j'ai pas mes 3 calibres et mes 25 000 $. D'accord. Vas-y. Mais là, t'as vu, regarde ce qui va se passer. Tu vas faire un choix, Benny ou Yagi. Oh, un des deux va mourir. Benny, hein, tu fais pas le choix, c'est les deux qui cannent. Toi, tu crois, on était potes. Fils de pute, t'as tué deux mecs à nous. T'as là, tué deux. J'ai tué qui? T'as pris. J'ai tué Jesse et l'autre, là. Et Amy. Amy. Ouais. Ouais. DC c'était pourquoi? DC c'est un switchrider de chez moi. Jersey c'était pourquoi? Tu l'as vengé quand même? Jersey c'est pourquoi? Jersey c'est pourquoi? Oui, tu t'es vengé sur Rémi, Rémi alors, pas switchside. Ouais, mais voilà. Bah voilà, du coup là on se venge là, c'est tout? Ouais, voilà. C'est tout. On se venge sur le mec à switchside comme tu t'es vengé sur le mec à switchside. Ouais, j'ai fumé Rémi qui a tiré sur Jersey. Ouais, je comprends pas. Jersey qui avait switchside, donc on revient à ta logique. Non, mais t'as pas de switchside. J'ai fumé le mec qui a tiré sur Jersey, qui en l'occurrence est Rémi, t'as vu. Moi quand j'ai fumé DC, je vous appelais en FaceTime, les gars. Qui a tiré sur DC, c'est qui? C'est l'autre fils de pute. Ouais, non, mais dans tous les cas. Je t'ai appelé ou non, pas? Non, parce que toi, tu comprends pas. T'as vu, sur le moment même. Dans tous les cas, toi, tu comprends pas. Ce que tu comprends pas, message... c'est que toi, t'as fait combien d'attaques t'as fait contre nous? Les gars. T'en as fait, je sais pas combien. Nous, on fait pas. Et toi, tu dis comment ça a changé? C'est moi, là, je vais dire, ça change, ça prend. C'est là, moi. Regarde, là, t'as dit, ça prend une autre dimension. Là, c'est moi, je te dis, ça prend une autre dimension. Tu vas faire un choix, Benny ou Yagi. T'as vu, tu fais pas le choix, c'est les deux. Moi aussi, je fais aucun choix, t'as vu. Y'a aucun des deux qui est supérieur à l'autre, t'as vu. Ils sont tous les deux. Ça va être les deux. Et si je crois que je rigole, bah vas-y.
Nathan, j'attends juste de beuler Guapo et vas-y, on va voir. Parce que toi, bah lui, c'est un niqué, lui. Il nous prend des calibres, des vies, hein, de la drogue. On a répondu quoi, nous? On t'a déjà pris quoi, nous? Un gramme, les gars, je vous ai pris un calibre. Les gars, je vous ai pris un calibre. Hein. T'avais arrêté de vous tailler le 5 calibre. Un camion de 100 mètres aussi, c'était pourquoi les gars? Attends. T'as vu, je prends la crépille là. T'as vu, je t'ai pris un calibre. La dernière fois que je t'ai pété, je t'ai pris combien de calibres? Il y avait 3 dégâts. Je t'ai pris combien de calibres? Je t'ai pris un calibre. Est-ce que je t'ai pris deux calibres? Je t'ai récupéré 40 000 dollars. Je t'ai récupéré 40 000 dollars. T'as pris le dernier calibre là? Les 40 000 dollars, pourquoi? Les 40 000, c'était pourquoi? C'était 25 000 du bas. Moi, et le calibre? Je vous ai demandé combien? Il a double ou pas? Double, il est là. Non, il arrive. De belle, je l'appelle. Je lui dis, cousin, ramène-moi les 25 000 du bas. Moi, cette histoire-là, c'est... Putain, ils ont crash. Wesh, ça y est, mon frère, on est les putes dans l'histoire. Je sais pas, c'est nous les plus faibles, wesh. C'est qui d'autre? Bref, écoutez. Là, il part en couille. En mode de ouais, j'arrive. Je l'entends, il dit ça va prendre une autre dimension, je sais pas quoi. En mode encore, tu vois, il est en mode il croit il est plus chaud que nous. C'est lui qui est en otage en fait. Là. Ouais, non, mais c'est pour ça, là ça y est, cousin. Et là, je lui ai dit, là, les gars, j'ai pris ma décision, hein, faut rien me dire. Là, j'ai dit Benny ou Yagi fait un des choix. Un des deux, je cherche des belles là, vite fait. Non, c'est bon, il est là, c'est bon. Je lui ai dit, un des deux, il fait le choix. Il fait pas le choix, c'est les deux qu'on tue. Là, il a pas fait le choix, on va aller quelque part et on va tuer les deux. Et c'est tout. Et en gros, parce que là, il y a le cousin. Là, faut faire quoi? Les BGF apparemment ils sont chez eux, il y a personne qui va venir je pense, c'est sûr, ils sont tous chez eux, Toko. Ah, personne va venir? Attends, on va pas caner les deux. Si, la tête de ma... Les gars, mais abuse pas de quoi les gars, abuse pas de quoi? Abuse pas de quoi? Mais va lui parler dans sa tête, on est en mode égo. Je sais. Y'a quoi à faire? Y'a rien à faire. Là tu vas faire ça. Y'a quoi à faire? M'en bat les couilles, on va leur baisser leur mère. Mélo, il est mort. Regarde, m'en bat les couilles. Attends. Moi, fume juste Yagi. Comme ça, t'as vu justement Benny va voir que t'as capté, on l'a pas calé. Y'a pas de plus les gars. Ma mère. Oh là là. La tête de ma mère n'a aucun qui va trahir pour ramener Zach d'ici ma grand-mère. Y'a personne qui va ramener. Vous le savez très bien, il y a personne, ils vont jamais tenter. Même si Benny, OK, il y avait une chance parce qu'il aime pas le Zach, c'est mort parce qu'il y a un mec qui est mort à cause de ça. Donc psychologiquement, ils vont jamais prendre le risque de le faire. Et lui-même il t'a dit, ça prend quoi pour qu'il le fasse dans une semaine? C'est mort. C'est tranquille, mais quoi, les gars, va le voir dans sa tête. Ouais. On est égaux, hein. En mode, on a jamais. Non, on n'est pas égaux. Mais là, dans tous les cas, il peut dire ce qu'il veut, t'as vu. Dans tous les cas, là, on lui a pris les trois calibres. Ouais, c'est bon. Là, t'as vu, il peut penser ce qu'il veut. Dans tous les cas, on lui aura pris ses trois calibres. On va le rattraper. On va attraper ça. Ok. D'accord, il a dit ça va prendre une autre dimension. Les gars, on est des salopes. Il a dit avant. Écoutez. Il a dit ça va prendre une autre dimension. C'est-à-dire, c'est nous, on a eu des morts de notre côté. Et c'est lui, il nous dit en mode ça va être la guerre. Et là, on fait rien. Mais cousin, on tue un des deux. M'en bat les couilles. Ils avaient qu'à faire. Sinon, t'as vu, tu mets Sony, t'as tué mal l'écart. Et les deux, t'as vu, ils se démerdent pour ramener Zach, une connerie comme ça. Et t'as vu, eux, devant la mort. Vas-y, pas les couilles du Zach. C'est comme tu veux alors. On va pas redire, ramène-le, nan, ils vont pas le faire. Mais là, tu veux pas attendre plus tôt, t'as vu qu'on voit. Attendre quoi? Il a dit, ça va prendre une autre dimension. Si tu le fais pas, toi, c'est lui qui va le faire. En gros, c'est lui qui va le faire. C'est ça qui est double. J'ai capté, mais nous, on est solide, t'as vu, donc ils viennent. S'il va le faire, nous qui viennent, nous, on lui baisse sa mère, cousin. Mais pourquoi? On l'a baisé, demain, on le rebaisse, après demain, on le rebaisse. Mais ok, mais combien de temps? Depuis le début du conflit avec eux, c'est nous, on est sur la défensive. À chaque fois. Je le dis. Cousin, pour une fois, faut passer à l'attaque. Et là, encore une fois, il ouvre sa bouche, nanana. Mais cousin, pour une fois, c'est à nous de passer de l'avant. Il veut Non, mais moi, je comprends. Je te suis. Je te comprends et je suis d'accord avec vous, les gars. C'est pas ça la question. Juste, t'as vu, déjà de 1, j'aurais bien aimé que le truc avec Benny. Au moins qu'on laisse une chance au truc. Ouais, qu'on essaie. C'est possible ou pas. En fait, regarde. Bref, en fait, ça nous coûte rien d'essayer parce que t'as vu, dans tous les cas, comme tu l'as dit, t'as vu, la vie de la mère, on les éteint quand on veut. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Viens, on essaye le truc. T'as vu, moi, je m'en bats les couilles de Yagi ni de Benny, frère, pas les couilles. On tue Yagi, on essaye de faire ce qu'on a à faire avec Benny. Si dans tous les cas, ça marche pas, dans tous les cas, on va les baiser leur grand-mère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, mais pourquoi attendre qu'ils attaquent, les gars? Expliquez-moi. Non, on va pas. Non, c'est nous, on va attaquer justement. Là, ils viennent de faire une déclaration, cousin. La vie de la mère, on les voit, on les baisse leur grand-mère. Vas-y. Oui, mais vous savez très bien comment ça va finir.
Oui, vas-y, ouais, R3D, un petit creepy, sors non, la hache, fais ce que t'as non, à faire. Non, mais les vas-y. Gars, c'est bon, vas-y, moi j'aime bien ce petit débat. Je veux que si on le fait, le choix qu'on va faire, on est tous d'accord. Donc, moi je vous dis juste que là, il a dit ça prend une autre dimension. Depuis le début, c'est des trous de balles. T'as bien vu, hein, ils savent pas, voilà, ils vont venir là avec cela, ce qu'on vient de faire, parce que c'est la première fois qu'on les a pu, qu'on le pète, tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer chez lui, ils vont essayer de péter, nous suivre, attraper un mec. Ils vont attraper n'importe lequel et eux, ils vont pas hésiter. Là, nous, on hésite. Encore une fois. Cousin, fais ce que t'as à faire. Moi, je t'ai juste passé mon avis, double aussi. C'est quoi ton avis, Zerodi? Moi, c'est on tue Yagi, on laisse le truc avec Bunny. Ah, et même si dans tous les cas, ça foire. Oui. On va les baiser, tout ce que je veux dire. Moi, du même avis que vous, en vrai. Juste ça. Bah, les couilles que t'as vu que ça marche. Moi, on a toujours été avec eux, on a toujours été dans l'attente, dans l'expectative, t'as vu. Et au final, on s'est toujours un peu fait baiser. Là, aujourd'hui, on a remis un peu les pendules à l'heure. Maintenant, il est là, il pense que malgré ça. La baiser, ou je sais pas quoi alors que en fait c'est mort coups. T'as vu il c'est est ça, dans l'ego oui, de fils de pute j'ai vu capté, donc il réalise pas la puissance qu'on a pris mon ouais, frère faut le faire bah, c'est ce que t'as à faire hein. lequel ah, Benny hein, pourquoi hein je raconte Yagi ah ouais t'as dit non prends le shit hein on avait reprend le shit ce que j'ai les gars tu sais quoi si on tue Yagi et Benny forcément il va monter second Les gars, Mais non, justement, il est sur la sellette, frère. Je sais pas quoi, là. Tout à l'heure. Oh, il m'a très bien expliqué. Même, et moi, je le vois, le Hammer aussi. Des fois, il est impliqué, il parle et tout. Ouais, mais Hammer, jamais. C'est qui Hammer? C'est un mec. Moustachu avec un mulet. Là. Mais des fois, il parle et tout. Ouais, c'est le moins trou de balle, mais c'est pas. Ouais. Même Yagi m'a dit, il y en a aucun qui. Il a déjà eu cette discussion. Ouais, mais avec. Double problème. Et bref. Il voulait dire Yagi, je pense. Non, je veux... Là, tu veux qu'on tue Bunny? Ouais. Mais pourquoi? Parce que j'ai mes raisons, je lui parlais tout à l'heure. J'ai mes raisons, il passe comme ça. Ah, il a pas assez de con, ok. Vas-y. Ouais, en fait, je sais, vous avez chaud parce que si on en tue un des deux, c'est un de vous deux qui va mourir. Mon pas les couilles, là, ma mère. T'as vu, les canards vont faire ça. Je suis là tous les soirs. Vous avez peur de la mort. On m'a jamais attrapé. Ah ouais, je les attends. Putain. En fait, vous m'avez déchauffé, les gars. Eh, hey, t'as vu là une amère, regarde, t'as fait un pile ou face, frère. Je suis celui que tu veux, mon bas les couilles, frère. Non, mais je parle de carrément de tuer. Mais je. Toi, tu veux forcément y en a un qui canne. Hein. Bah, en fait, je suis arrivé, cousin, je l'entends, il nous menace. Ouais, mais même dans la voiture, ils étaient tout pareil. Ils disaient, les gars, je vais te baiser vos mères maintenant, blablabla. Même avant, même qu'on arrive ici. Hein. Et en plus, il mentait. Hein. Ouais, je vous ai pas suivi, je sais pas, vous voulez quoi, vous êtes parano, il fait la salope. Il veut pas suivre. On fait quoi? Je sais pas, attends, je vais reparler. Attends, nous on va voir. En fonction de truc, ça va être sur le moment, on bat les couilles. Je commence déjà à prendre ma hache. Regarde, je vais te dire un truc, t'as vu? S'il y a un truc qui te déplaît, fais un truc sans nous dire. Tape direct sa grand-mère. Ouais, mais c'est ce qu'il va faire, frérot. Ça, vas-y, fin, nique sa grande. Ouais. Même lui, hein, même ton ref. Hein. C'est vous les gars, c'est vous. Ouais, c'est là, vous, ça. Là, ouais. Là, pour toi, là, j'ai entendu parler, je sais pas, là, on m'a dit la sentence sera irrévocable, je sais pas quoi. Là les gars, t'as vu là ce qu'on est en train de faire? C'est juste pour remettre les pendules à l'heure, et encore, selon moi, elles sont loin d'être à l'heure, t'as vu? Bah ouais, la balance, elle penche encore de votre côté. Mais pourquoi, parce que si on fait les comptes, parce que je te dis, là en fait, tu fais passer pour un mec en mode. T'as vu, ma vie s'obstine à vous prendre des armes ou je sais pas quoi, t'as vu si on fait les comptes, Sony, sois un peu objectif, là, si on fait les comptes aujourd'hui, t'as vu, la balance, elle penche beaucoup plus de votre côté que du nôtre. Vous nous avez pris deux vies humaines, vous nous avez pris de la cargaison, des marchandises, des armes, de l'argent. J'ai pris la vie de qui? J'ai pris la vie de la meuf qui a fumé mon gars, qui a fumé le mec qui avait suicide. Ouais, un partout, ouais, ok. Plus d'ici, ça fait 2-1. Oui, plus d'ici, d'accord, si tu veux. Tu m'as pris quoi, toi, avec d'ici? Tu m'as pris une AKU. Tu m'as pris une AKU.
AKU que t'as essayé de poser chez nous. Tu m'as pris une AKU. Je peux pas assumer ça. Au final, elle était oui, d'accord. T'as essayé de poser chez nous juste avant. Poser chez toi de quoi? Poser chez toi de quoi? Il a avoué. Vous savez, tu m'as dit pourquoi t'as intervenu. J'ai intervenu, les gars, parce qu'il y avait Amy en cours. Il a avoué, forcément. Je suis venu chercher Amy. Tu m'as pris Attends. Vous avez pris un mec qui va chez moi prendre mes affaires, prendre mon AKU, et vous pensez que je vais pas le fumer? Quand j'ai regardé de loin, je vais lui ramener des clopes. Je lui smoke ça. D'accord. Et toi, il y a un mec qui a switch side, à savoir Jersey. Tu crois qu'on va pas le fumer? On va lui ramener des clopes. Ça va dans les deux sens. Je vous en ai voulu pour Jersey. Non, d'accord, je me suis vengé sur son shooter, les gars, c'est normal. D'accord, au final, le résultat est quand même. Quand je vous ai pété et que vous étiez en face de moi, je vous ai dit démasquez-vous, j'ai demandé qui? J'ai demandé Amy. Je t'ai pu prendre CV, je le fumais. Mais je comprends, là, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais au final, le résultat est le même, à savoir, il y a eu deux pertes humaines de notre côté, il y en a eu une de ton côté. Oui, vous me voyez parler de calibre, t'as vu, je t'ai récupéré un calibre. Ouais, tu lui as pris un calibre à Creepy et t'as pris un calibre qui était sur DC, qui était un gars de chez moi. Parler du calibre de DC, mais lui, c'est un gars de chez moi aussi. C'est un gars de chez moi. C'est comme si je pète Jersey, t'as vu le jour où on l'a pété, il avait un calibre sur lui. Mais DC à la base, c'est un mec d'où? Son calibre, il est venu d'où? D'accord, mais il a switch side, il était chez nous, donc ça, c'est fini. Oui, mon calibre, moi, tu me l'as pris en caution pour le Bahamas. Au final, DC quand il a switch side. Est-ce que le lendemain je suis venu vous chasser pour récupérer le calibre avec lequel t'aurais dû. Mais non. Parce que tu serais venu, tu m'aurais demandé. Tu me serais venu, je m'aurais demandé, on aurait peut-être discuté, on aurait trouvé un terrain d'entente. Tu l'as pas fait. Ah d'accord. Ce que t'as préféré faire plutôt. Ce que t'as préféré faire plutôt, c'est attendre qu'il y ait une soirée dans le quartier. Là, tu reviens. Qu'il y ait une soirée où il y a plein de monde, rien à voir. Et tu missionnes un shooter, t'as vu, et qui viennent et qui tirent sur DC devant des mecs qui ont rien à voir. Et bref. Donc voilà. Aujourd'hui, on en est là. Shader de chez nous qui est venu vous donner une accueil. Oui, il est où le problème? Les 40K, frérot, je t'ai pris 40 000 $. Je t'ai pris 40 000 $, pourquoi? Pour l'histoire du Bahamas. Hein. À la base, je t'ai demandé combien de belles quand je t'appelais. Mais les Bahamas, mais c'est pas avec moi qu'il fallait régler ça. Mais t'as récupéré 15 avec les... Mais attends, parle plus fort. J'ai demandé combien il fallait régler ça. Attends, mais Bahamas, t'étais même pas dedans. Tu partais pas l'ouvrir, rien du tout. Et ton argent, t'avais juste à appeler le daron, il te donnait ta part. Mais c'est tout. Pas le daron qui m'a viré, c'est toi qui m'a viré. C'est moi, j'ai investi avec toi dans le Bahamas. Mais l'argent, tu l'as donné au daron. Moi, je vais voir le daron, je dis quoi, Creepy m'a enlevé les clés. Oui, mais t'es plus dans le Bahamas, il t'aurait donné l'argent. T'as récupéré 15K à Reyes. C'est toi qui m'a enlevé les clés. D'accord. Ta gueule. Et les 100 mètres, c'était pourquoi les 100 mètres? Attends. T'as pris 15K à Reyes. Nous, ouais. t'as pas pris 25, t'as pris 40 et t'avais pris mon arme avant en caution. J'ai pris 40 parce que vous m'avez ramené les cops. Logique. Je t'envoie une pause avec 25 000 $, tu me ramènes les cops, une voiture et un hélico, fils de pute. Je fais quoi? Et ils vous ont suivi. Ils auraient pu s'arrêter. Oui, mais ils ont pas suivi. Hein, mais ils savaient passer tout ça. Et alors? Et alors? Avec des si on refait le monde, frérot. T'as vu? D'accord, avec des si on refait le monde, mais là je te parle de concret, de ce qui s'est passé, t'as vu? T'avais gardé une arme en caution pour les 25K, donc t'as récupéré les 25K, t'as pas donné l'arme de caution. Bah vas-y, si ça. Mais il s'est rien passé, c'est la vérité. Tu nous as pris de la drogue, tu nous as pris de l'argent, tu nous as pris des meuhards, cousin, tu veux quoi? Ils ont pris une AKU, les gars, je tiens à le rappeler. Il a voulu nous la donner, vous voulez nous en débarrasser, je sais pas c'était quoi votre plan. Elle l'a posé chez nous, je sais pas ce que ça fait. Après, elle était dans un autre entrepôt en dehors de Watts. Et fin, et alors? Il appartient à qui le local de la Wardox? C'est à qui? Oui, mais. C'est au GSB. Mais c'est ta KU. La KU, elle était pas chez toi. Tu l'as volée à l'autre, je sais pas quoi, là, au daron. T'allais la poser chez nous, faire je ne sais quoi. Dans tous les cas. Est-ce qu'elle était chez nous? T'allais l'utiliser. Est-ce que la KU était chez vous? Oui, elle était chez nous. T'allais la poser chez nous, oui ou non? Non, la KU, elle était chez moi. Tiens, fils de pute. Tiens, baisse ta mère. Tiens, ramène ta tête. Fils de pute, tiens. Comme vous avez dit, il y a des messages. Hein. Tiens. Bref, c'est quoi la suite là? Bref, de quoi? C'est quoi? Il va se passer quoi là? T'as vu que tu as baisé ta mère maintenant? T'as vu, on est en guerre avec toi? Tu as niqué ta mère? Enfin, tu tentes le moindre truc? T'as vu? Hein, on vous extermine. T'as vu? Mets-le bien dans ta tête. Hein, ça, hein. C'est noté, cousin. T'as vu? J'espère que c'est bien noté. Hein. Et vas-y, barre-toi. Prends la tête là qui dépasse. Et vas-y, baisez vos mères là. Y'a ton téléphone là par terre. Y'a ton téléphone. What's c'est petit les gars. Très petit.
Ah là là. Pas le moment de traîner, les gars. Bien joué. Pas de tête, on est règle. Ah putain, je me sens mieux. Hein, on était là à faire les comptes. Ah, ouais, ça va les couilles, c'est notre métier de niquer des mères, les gars. Putain. Complique à la mort. W-A-2-T-S, c'est No What qui leur fait peur. On a plus de hops que de likes sur Life Invader. Je confondais le Perro, ABZ et l'inspecteur. Tu trahis Dirty and Tease et d'une balle, tu m'as.